L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Ministère public compte M. Cécile Raphaël Abba, M. Alfama Doubaldé, M. Marcel Guilagogi, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegoro Kamara, M. Brema Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, M. Kalonzo est là, et M. Moussa Dadis Kamara. Le parti civil, M. Ouri Baye Loba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Monsieur Marcel Guilavogui, venez à la barre, s'il vous plaît. Le ministère public a la parole pour la suite de ces questions. Nous avons voulu intervenir pour prier le ministère public de s'abstenir, juste d'abord pour vous remercier. Pour vous remercier pour toute la sagesse qui vous a toujours incarné, qui a permis à toutes les parties. Défense que j'ai divisée, parti civil qui est en division, ministère public, d'accéder au renvoi de l'affaire pour aujourd'hui. Monsieur le commandant Toumba n'a pas accédé même aux soins infirmiers. Il a opéré par automédication, comme il a toujours fait. Heureusement qu'il est docteur, et véritablement docteur. Ah non, il est docteur, il a eu le doctorat. Et c'est ce que l'autre procureur a reconnu. Il a le doctorat en cardiologie, et tous les militaires, tous les gendarmes, toutes les forces armées tiennent leur intégration dans les forces armées de Toumba. En tout cas, en ce qui concerne son époque, je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie aussi le ministère public pour avoir unanimement, parce que les hommes qui sont postés, c'est pourquoi je salue le ministre Charles Wright. Qu'est-ce que vous voulez dire, maître, s'il vous plaît? J'en viens. Allez-y, maintenant. Le décor. Toumba revient, il n'a pris que des paracétamol, des choses, je ne sais pas ce qu'il a pris. Mais je crois que moi-même, je lui ai envoyé quelque chose qui provient de la France,
et qui a été procuré par la pharmacie Tumba, c'est quoi? Voilà. Une grande pharmacie de cette place, à Kipé. C'est automédication, mais c'est la dernière ou l'avant-dernière réaction de ce qui va lui arriver. Parce que ce sont les états terminaux. Monsieur le Président, prenez très au sérieux ce que je vous dis. Est-ce que cette automédication peut nous permettre aujourd'hui de tenir? Il tiendra pour la journée. Merci alors, maître. Est-ce qu'on peut évoluer? Il tiendra pour la journée, mais c'était pour vous remercier pour ça et pour vous dire sa détermination à voir véhiculer la vérité, le droit et l'état de droit, malgré l'insensibilité. Vous n'en êtes pas informé. Ce n'est même pas votre problème. On lui a empêché les soins infirmiers. Il n'est même pas accessible à un médecin. Maître, s'il vous plaît, je serai obligé de vous retirer la parole pour me permettre d'avancer. Je vous la rends, S'il vous plaît. Ministère public, voilà, continuez avec vos questions. Merci, Monsieur le Président, pour votre sagesse habituelle. Honorables assesseurs, nous allons donc continuer à poser nos questions à Monsieur Marcel. Monsieur Marcel, bonjour. Bonjour, Monsieur le Procureur. Vous allez bien? On s'accroche. Bien. On peut bien continuer? Oui. D'accord. Alors, le ministère public voulait vous remercier pour votre courage et votre spontanéité à venir dire la vérité dans cette affaire. Nous pensons que le même courage va vous animer parce que nous avons juste des questions, des précisions à vous poser. Bien, je vais commencer par là où mon éminent collaborateur a terminé hier. L'affaire des charniers, les fosses communes. Lorsqu'il vous a posé la question, vous avez dit tout de suite, je vais vous dire réellement ce qui s'est passé dans cette affaire de fosses communes. Vous avez commencé à parler, mais entre-temps, vous avez pris un autre chemin parce que vous avez dit entre-temps, il faut que l'on se focalise sur les procès-verbaux qui sont au dossier. Alors dites-nous réellement, que savez-vous de ces fosses communes-là? Bien, merci Monsieur le Procureur. Vous savez, la conscience d'un homme le frappe. Et lorsque tu es associé à un fait et que tu as assisté, tu pourras relater réellement les faits. Le président Moussa Dadis Camara ne nous a pas associé à son programme qu'il avait planifié. Vu notre attitude militaire de formation, il ne pouvait pas nous associer. On n'a pas obtempéré. Raison à laquelle il a utilisé les soldats qui n'ont pas fini leur formation. Kalia n'était pas choisi pour une formation de répression. C'était effectivement pour l'armée. Mais ils ont profité pour leur gré. Pour les fosses communes, mais le président n'a qu'à nous dire la vérité. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, je n'en sais rien dans l'affaire des fosses communes. Vous ne savez pas quels sont les officiers qui sont mêlés à la gestion des corps et à ces fosses communes-là? Non, je n'ai pas entendu et je n'ai pas participé. Pas du tout? Pas du tout. D'accord. Et est-ce que vous confirmez toutes les déclarations de M. Tumba ici à cette barre? Bon, je ne peux pas confirmer tout. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas confirmer dans tout ce qu'il a eu à dire? Bon, je ne peux pas rentrer dans ces détails sauf vous me rappeler de, si vous me posez des questions. Bien, sur... il dit par exemple qu'au stade, vous étiez venu avec vos hommes juste derrière lui.
Et dès que vous êtes entré au stade, les tirs ont commencé. Non, il s'est trompé. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Vous n'étiez pas avec vos hommes? Non, j'étais pas avec un homme. Vous étiez seul? J'étais seul. Où votre véhicule était garé? Bon, vous savez, moi, je connais pas totalement Conakry. Non. Non, vous connaissez, vous êtes... C'était en tout cas à 80 mètres de la rentrée. Vous êtes né à Conakry. Oui, mais... Grandi à Conakry. Non, mais vous je ne suis pas né à Conakry. Mais vous êtes né ici quand même. Je suis né à Kipé en 77, après... Par rapport au stade, où était garé votre véhicule? Bon, ma voiture était à 80 mètres du stade. Où précisément? Vers Dixine, vers Marina? Oui, c'est vers Dixine. Dixine vers où? Bon, je ne peux pas citer ça, je ne connais pas... Non, M. Marcel, vous le savez. Non. Vous êtes venu dans votre véhicule. Oui, mais j'ai garé, je n'ai pas garé totalement à la rentrée, mais c'était avant la rentrée. C'était au niveau de la station de Dixine, Terrasse. Ah non, je peux... Non, c'était pas... C'était à 80 mètres du stade quand même. Vers l'université? Bon, l'université, bon, c'est pas... En tout cas, avant que tu ne rentres au stade, c'est en tout cas, à gauche, j'ai garé ma voiture, j'ai quitté sur le goudron quand même. Vous étiez seul? J'étais seul dans ma voiture. Vous étiez en tenue? Oui, je suis en tenue souvent. Avec la grenade? J'avais une grenade en poche. Poche gauche, fermée. Bien. Est-ce que vous confirmez... l'envoi des camions chargés de corps au camp Samori, Touré? Bon, c'est ici que j'ai appris ça. Vous n'avez pas appris ça? J'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris que des corps avaient été retirés au niveau des morgues? Non, j'ai pas appris. Pas du tout? Pas du tout. Monsieur le procureur, moi je ne me suis pas mêlé dans l'affaire du 27 septembre. Permettez. Vous savez, monsieur Marcel, vous avez décidé. Oui, j'ai décidé. Permettez. Vous savez, il ne faut pas accuser quelqu'un. Permettez. Que tu n'as pas assisté. Permettez, monsieur Marcel. Oui. Vous avez fait un examen de conscience. Oui, bien sûr. Vous vous êtes dit, il faut que je vienne dire la vérité au peuple guinéen. Très bien. C'est pourquoi j'ai commencé par vous saluer. Je me suis dit que vous allez accepter de nous dire toute la vérité. Parce que, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de déclarations ici dans cette salle. Vous êtes au début, vous êtes au milieu, vous êtes à la fin du régime du CNDD. Vous le savez. Vous-même, vous avez dit que vous avez concouru à la prise du pouvoir. Vous le savez. Donc, nous pensons que vous pouvez nous donner des explications assez plausibles pour faire avancer ces débats-là. Vous comprenez? Ce n'est pas que nous avons quelque chose contre vous, mais nous souhaiterions que vous nous disiez toute la vérité dans cette affaire-là. Parce que c'est vous qui avez choisi de revenir. Ce n'est pas le tribunal qui vous a fait revenir. Hein. C'est vous qui avez choisi de revenir. Donc vous devez accepter de nous dire la vérité. Est-ce que oui ou non, vous avez appris que des corps avaient été retirés au niveau des morgues? Monsieur le procureur, je suis devant l'Éternel. Vous n'avez pas appris? Je ne suis pas au courant de ça. On peut passer? Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes véritablement le neveu du... capitaine Dadis? Vous savez, bon, c'est la forêt. Ceux qui sont après Massanta, on les appelle tous. Est-ce que vous étiez véritablement? Non, je ne suis pas véritablement son neveu. Ma mère n'est pas Guézé ou Makonia. Ma mère est Thomas. Est-ce que vous avez toujours accepté de vous faire appeler neveu de Dadis? Moi, j'appelle tous ceux qui sont après Massanta. Lola, Bella, Yomou, Jérôme Kouré, je les appelle oncle. C'est ce qui est uni dans notre coutume. Monsieur Marcel. Procureur. Guerzé. Monsieur Marcel. Manon. Monsieur Marcel. Suivez la question, oui. S'il vous plaît. Monsieur Marcel. Ouais. Calmez-vous, hein. Vous allez vous calmer, s'il vous plaît. On va aller tout doucement. Ne vous énervez pas, okay? Très bien. Durant tout le règne du CNDD, est-ce que vous avez accepté de vous faire appeler neveu du président Dadis? Au temps de Dadis, on ne m'appelait pas neveu de Dadis. On ne vous appelait pas comme ça? Moi, on ne vous considérait pas comme étant son neveu? On ne m'appelait pas neveu de Dadis. Pas du tout. On ne dit pas neveu de tel, on appelle à son nom ou à son grand. Non, est-ce que vous avez accepté
non, que l'on vous considère quelqu'un ainsi. Ne me dit jamais. Pas, quelqu'un ne me dit pas neveu de Dadis. Jamais. Jamais. D'accord. Vous avez dit ici qu'il y avait une différence entre le camp de Kalea et le camp du kilomètre 66 lors de vos déclarations. Vous dites qu'il y avait une différence entre le camp de Kalea et le camp du kilomètre 66. Vous confirmez cela? Oui, il y avait une différence. Et quelle était la différence? La différence, d'abord, les lieux ne sont pas les mêmes. D'accord. Le camp de 66 se trouve dans Koya. Oui. Donc tu n'attends même pas Forokaria. Oui. Or, le camp de Kalea se trouve hors de Forokaria. Oui. Selon, parce que moi je ne suis jamais allé dans cette unité de formation commune de base à Kalea. Mais 66 était une ferme. Au temps du général Ansara Conté, c'était une ferme. Oui. C'est la marine qui a emprunté le coin pour y procurer une formation militaire. Donc, il y a eu des soldats, des recrues, pardon, qui ont tempéré à ça. Moi, personnellement, j'ai eu quelques quotas. C'est-à-dire, on m'a donné 6 places, quelque comme ça. Là. Je crois que Toumba aussi, le général Sekouba Konaté. En tout cas, chacun, beaucoup de personnes, tous ceux qui sont vraiment un peu aux yeux du président, il a donné un peu. Et lui-même. Bien, quelle était la différence par rapport aux recrues qui s'y trouvaient? Les recrues qui étaient au kilomètre 66. La différence est, c'est et les recrues qui étaient à Kalea. Le temps de recrutement et oui. Le temps de formation. D'accord. Parce que les jeunes de 66 ont fini la formation. Il fut affecté dans les différentes unités. D'accord. Et vous, vos 6 éléments-là, étaient où? Ils étaient à Kalea? Non. Ils à 66. Ils étaient à 66? Oui. C'est à 66. D'accord. On va en parler encore tout à l'heure. Au stade, est-ce que vous avez constaté les cas de viol? Non, j'ai pas vu cas de viol. Faut pas que je mens. C'est après que lorsqu'on a quitté, peut-être, mais je n'ai pas vu cas de viol. Vous n'avez pas vu de corps? Non, j'ai pas vu de corps. D'accord. Et Sankara Kaba et Jeannot avaient été tués au niveau de la présidence. Vous vous rappelez? Oui. Vous étiez là? J'ai entendu. Vous étiez présent? Non. Qui avait fait ça? Non, je ne connais pas. Vous savez, lorsque... Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ah. D'accord. Et après votre accident à Kipé, vous aviez passé combien de temps à la clinique Ambroise Paré? Bon, j'ai pas passé une nuit là-bas. Là, il ne faut pas que je mens. D'accord. J'ai pas passé une nuit. Et vous pouvez nous repréciser la date? Après l'opération, ils ont cousu ma langue. C'est moi-même qui ai décidé de rentrer. Le docteur m'a incité, non, tu ne peux pas aller. J'ai dit non, laissez-moi, comme vous avez cousu le traitement, on va le faire maintenant chez moi. Est-ce que vous pouvez nous repréciser la date à laquelle cet accident est survenu? Franchement, avec le temps là, je n'avais pas l'intention. Est-ce que vous pouvez rappelez-nous juste la date de l'accident? Non, je n'ai pas la date fixe. Vous avez oublié? J'ai oublié. D'accord. Toumba a dit ici que colonel Pivi avait fait venir des hommes au camp, environ 500, et il disait qu'il allait leur apprendre des arts martiaux. Est-ce que vous avez vu ces 500 hommes-là au camp, Alpha Yaya? Bon, moi personnellement, j'ai pas veillé à ça. Le camp est large. Est-ce que... J'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Moi, je n'ai pas constaté. Vous n'avez pas remarqué la présence de ces 500 hommes au camp? Non, moi, je n'ai pas vu. Moi, en tout cas, Marseille, je n'ai pas vu.
D'accord. Vous dites que le président Dadis était au courant de tout ce qui se passait. Mais au sein de la présidence, il doit être au courant. C'est le président. Non, écoutez, monsieur. Il est Marcel, au courant. Non, monsieur Marcel, ne rendez pas notre échange difficile. Oui. J'ai l'impression que ça ne va plus là. Mais il est au courant. Non, écoutez, la volonté qui vous a amené à cette barre-là, ce n'est plus cette même volonté que mais nous peut-être constatons. C'est mon français. Non, permettez, nous parlons facilement. Non, peut-être c'est mon volontaire. Non, écoutez, ce que nous disons, c'est accessible. Oui. Acceptez de répondre à nos questions. Ok. Ou bien. Je réponds. J'ai dit que c'est vous qui avez choisi de revenir à la barre. Bien sûr. Donc, je me dis que la bonne foi doit vous animer du début à la fin. Vous ne devez pas vous énerver. Mais on est obligé de vous poser des questions. Je ne suis pas énervé. Non, ça se remarque, hein. Non, c'est comme ça, monsieur le procureur. On bien, a est-ce que oui ou non? Le président Dadis était au courant de tout ce qui se passait au camp. Le président Dadis est au courant de tout ce qui se passe au camp. Tout. Oui. Est-ce qu'après ces événements du 28 septembre, des gens ont été enlevés au stade et envoyés au niveau du camp Alpha Yaya Diallo, où ils ont été gardés pendant des jours? Les gens enlevés. Oui, au stade. Bon, moi, je n'ai pas constaté ça. Vous n'avez pas constaté? Je n'ai pas constaté ça. Vous étiez constamment au camp militaire? Moi, je ne me promène pas. Non, mais vous étiez au camp? Oui, mais on vous peut étiez à la présidence. Sans connaître. Le camp va à 3 km. Non, écoutez. Monsieur le procureur. Est-ce que vous n'avez pas remarqué la présence des personnes qui ont été enlevées au niveau du stade pour être envoyées non. au camp Alpha Yaya? Si j'avais senti ça ou j'avais vu ça, j'allais répondre ici que oui, je l'avais vu. Mais je n'ai pas vu. Vous n'avez pas parce vu. C'est la vérité. Et vous n'avez pas appris aussi. Je n'ai pas appris ça. Je n'ai pas appris. D'accord. Est-ce que vous confirmez que Cécile Raphaël était à côté de son épouse le 28 septembre? Était où? À côté de son épouse, au chevet de son épouse. Moi, je ne connais pas le programme de Cécile. Hein. Cécile n'était pas avec moi. Vous ne l'avez pas vu ce jour? Hein? Vous ne l'avez pas vu le 28 septembre? Vous ne l'avez pas vu au camp? Moi, je n'ai pas vu Cécile. Hein. Il n'était pas au camp? Je n'ai pas vu Cécile, franchement. Il n'était pas au stade? Je n'ai pas vu Cécile au stade. D'accord. Vous dites qu'au cours de la matinée du 28 septembre, vous étiez dans la chambre du président Dadis lorsqu'il donnait des ordres à Makambo pour aller mater la manifestation. Vous confirmez cela? Bien sûr. Dans sa propre chambre, à coucher. Vous étiez un homme de combien dans la chambre? Bon, je ne peux pas donner, je connais quand même, je peux citer certains noms. Citez-nous les noms. Il y avait Gono Sangaré. Il y avait Makambo, il y avait le commandant du salon, il y avait Toumba et moi, il y avait Tédor. Ce n'est pas tout le monde qui a accès dans la chambre du président. C'est ce que j'ai remarqué. Et sur quel ton il avait parlé? Comment il avait donné des ordres? C'était un ton d'ordre qu'il donnait. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous pouvez nous. Il faut les mater. Ça, c'est un ordre. Il faut les mater. Terme militaire, c'est donner des ordres. D'accord. Parce que quand tu dis à quelqu'un, il faut les mater, c'est que tu lui donnes l'ordre pour qu'il exécute ce que tu dis. Il disait ça à Makambo. Donc, il a dit ça à Makambo. À Makambo, oui. D'accord. Les leaders là sont qui? Pour qu'à part, ils ne respectent pas l'autorité de l'État. Vous savez, quand lui, il est dans son sang, dans ce sens, tu ne peux pas le maîtriser. On ne peut pas. Ah, tous les Guinéens le savent, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Même devant, même au palais, il peut être là, en simple discours, il voit quelqu'un, il l'humilie. Devant tout le monde. Mais c'est clair, c'est une vérité. Donc si je le dis ici aujourd'hui, les gens ne vont pas dire que je l'accuse. Le peuple de Guinée a vu ça. Nous, on n'était pas contents de ça. C'est le moment de le dire. D'accord. Merci bien.
Et entre vous et Toumba, qui est arrivé le premier au stade? Bon, vous savez, on est rentré au même moment, mais pas le même temps. Vous étiez derrière lui ou bien devant moi, lui? Moi, je n'ai pas vu Toumba rentrer au stade. Vous l'avez trouvé au stade? Je l'ai trouvé à l'esplanade avec les gens. Ils sont en train de se battre avec les bérets rouges, les soi-disant bérets rouges. Donc, vous l'avez trouvé au stade? Oui. Il se battait avec des bérets rouges? Oui, je l'ai vu quand même, ça c'est clair. D'accord. Cette manifestation-là, vous étiez pour ou bien vous étiez contre? Moi, je suis militaire. Comment? Moi, je suis pas politique. Non. Moi, je me suis même pas... Est-ce que vous étiez d'accord qu'il y ait manifestation? J'étais même pas encouragé à manifestation. Oui, est-ce que vous, quand vous avez appris ça, vous étiez d'accord que ça se tienne? Non, monsieur le procureur, la manifestation, c'est un droit. C'est ce que nous a appris. C'est pourquoi le président Dadis ne pouvait pas nous utiliser. Il connaissait ce qui est dans notre tête. Il fallait passer par d'autres personnes, les soldats, recrues, pour qu'ils puissent manifester. Donc, vous étiez pour que les manifestants viennent au stade? Non. Vous dites? Vous étiez pour que les manifestants viennent au stade? Non, moi, je n'étais pas au courant si il y a manifestation au stade. Non. Comment je peux être pour? Non, est-ce que vous avez aimé ça ou bien vous n'avez pas aimé? D'abord, moi, j'aime que chacun manifeste sa joie. Les manifestations, c'est un droit humain. D'accord. C'est dans la Constitution, je pense bien. D'accord. Un citoyen, si tu as besoin de manifester, tu manifestes légalement. D'accord. Si l'autorité accepte, des fois. Bien. Et puisque, depuis le début de ce procès, vous êtes dans cette salle, vous avez suivi le défilé des différentes victimes. Est-ce que vous croyez en ce que ces victimes-là ont déclaré ici? Monsieur le procureur, je ne peux pas confirmer ou infirmer les dires des victimes. Dire oui, c'est être insensé. Dire non, parce que ces événements, le reste, ils ont expliqué, ça n'a pas passé devant moi. Je ne peux pas confirmer. Mais vous avez quand même une conviction. Ma condition est que il y a une eu des mots. Une conviction. Il y a eu des morts. Parce qu'il y a eu des hommes ensevelis. Vous confirmez qu'il y a eu des morts? Oui, il y a eu des morts parce qu'on a vu à la télé. D'accord. Vous confirmez qu'il y a eu des cas de viol? On a vu des femmes ici. Bon, non, permettez. Au huis clos, on était là ensemble. Vous avez vu des femmes qui ont expliqué ce qu'elles ont vécu au stade et après le stade. Est-ce que vous avez cru en cela? Bon, quand une femme... Franchement, une femme vient devant l'autre et demande qu'il a été violé, que telle chose lui est arrivée. D'abord, on ne cherche pas à savoir est-ce que c'est la vérité qu'il est en train de dire. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez cru en ce que ces femmes-là ont dit ici? Bon, avec cette violence, je ne peux pas infirmer ça ou dire oui. Non, vous avez une conviction. Il n'y a pas de preuve devant moi. Non, écoutez. Vous les avez suivis ici? Oui, j'ai suivi. On était tous là. En âme et conscience, ça me touche. Vous pensez que ces femmes-là peuvent inventer tout ce qu'elles ont dit ici? Franchement, les femmes-là ne peuvent pas inventer. Il faut se dire la vérité. Ça veut dire que ce que ces femmes-là ont déclaré, c'est là, pas vrai. Là, il faut se dire la vérité. C'est au tribunal d'apprécier les dits. Mais moi, personnellement, en tant qu'être humain, quand une femme se lamente en ce sens, vraiment, c'est la consoler. D'accord. Et les cas des disparus, vous croyez en cela qu'il y a eu des disparus, des gens n'ont pas retrouvé? Non, vous savez, monsieur le procureur, c'est une question très perplexe que vous me posez. Quelque chose que tu as vu et que tu as vécu, tu peux affirmer. Mais quelque chose qu'on t'a dit, il faut chercher à connaître. Est-ce que c'est une réalité ou une fausse réalité? Nous croyons. Mais quelque part, il se peut, je dis bien, il se peut, que le président Dadis, avec son clan, pouvait dissimuler certains corps. Il faut être franc. Vous croyez que le président Dadis était capable de dissimuler des corps? Ah, mais il peut le faire. S'il a eu l'audace, le courage d'envoyer ses soldats mal formés au stade, mais il peut le faire pour ne pas que son pouvoir soit encore plus sali. Merci. Peut-être. Merci. C'est ce que je peux dire, mais je n'ai pas vu des corps dissimulés. D'accord. Et je n'ai pas assisté. Ce Raphaël a dit ici
qu'après le 3 décembre 2009, il y a une véritable chasse qui avait été engagée contre lui. Vous étiez impliqué dans cette chasse-là? Bon, c'est Raphaël, c'est un ami, je sais, mais il a trop surpassé ses déclarations. Il est là, il sait que l'homme qui est devant moi, qui est devant lui aujourd'hui, à la barre, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. C'est moi qui l'a présenté, c'est moi qui ai décidé de lui faire approcher au président Dadis. Oui. Et le président Dadis a accepté. Le faire chasse à l'homme. Même son jumeau, c'est moi qui l'a sauvé. Son jumeau. Parce que lorsque le 3 décembre, il y a eu beaucoup d'arrestations. Je l'ai sauvé. Oui. Vous avez compris ma question? Oui. Voilà. Est-ce que vous étiez non, impliqué? Non, moi je ne suis pas impliqué à la chasse d'un homme. Vos hommes n'étaient pas impliqués? Non, moi je n'ai pas d'homme, mon procureur. Monsieur le procureur, je n'ai pas d'homme, je suis un subordonné qui est devant vous. Peut-être mon influence, mais je n'ai pas d'homme. Bien. Begré, pouvez nous dire comment Begré avait trouvé la mort? Ah. Bien. C'est pourquoi je vous dis, monsieur le procureur, il y a une vidéo qui circule. C'est quelqu'un qui m'a montré, c'était pas si c'était une garde, si ça parlait. Bon. Regardez très bien la vidéo. Mettez sur un écran et veuillez voir les personnages à la vidéo. Il y a certains parmi nous ici qui étaient dans cette vidéo. Vous pouvez les citer. Ben Tegouré est là-bas, le colonel. Il est ministre chargé de anti-drogue. Quelqu'un qui est attaché sauvagement. Si tu es là-bas, autorité, c'est toi qui dois donner l'ordre de le détacher. Il était présent. Mais bien sûr, il est dans la vidéo. D'accord. S'il n'est pas problème présence. Il est dans la vidéo. Et qui d'autre? Bon, celui que j'ai pu reconnaître, les restes là, je ne connais pas. Et le colonel Pivi? Non, le colonel Pivi ne s'est pas mêlé. Le colonel Pivi, monsieur le procureur, le 3 décembre, il ne fait que sauver. Ça, je veux vous dire, c'est la vérité. Parce que lorsque le REC a tiré, il y a eu tir sur le président, vous pouvez me laisser. Allez-y. Parce que c'est un point très sensible. L'événement du 28 septembre, ce sont les conséquences du 3 décembre. Voilà. Parce qu'il ne faut pas faire porter le chapeau à quelqu'un qui n'a pas exécuté ce que tu as fait pour se camoufler. C'est ce qui est arrivé au président Moussa Dadis Camara. Et moi-même, je joue au ballon. C'est pour vous dire que j'étais écarté. Il est sorti sans moi. Si moi j'étais comme Koundara, REC n'allait pas tirer sur le président. Il n'allait pas tirer. Il allait dire au moins, ouais, Marcel est là, il peut pas me trahir. Mais la venue, la façon dont ils sont venus vers lui, il s'est vite trahi. C'est pour qu'il a agi ainsi. Ça, c'est bref. Mais de différentes arrestations, Begré a été arrêté à la frontière. Monsieur le procureur, si on ne veut pas vous rappeler, Begré a pris la fuite avec une femme et un civil qu'on appelait Mohamed. Lui, je l'ai trouvé en prison à la maison centrale. Quand Mohamed m'a vu, il dit, Marcel, merci. Tu t'es pas mêlé dans ça. Begré, ton petit, le petit, il est mort. Celui qui est rentré dans les détails, un peu m'expliquer. Avant même que cette vidéo ne vienne. Il a été attaché, mis dans la cellule. Il ne pouvait pas. Mon maître me dit qu'il avait la douleur. Il ne pouvait plus tenir. Donc il préférait mourir. Il a tapé sa tête au mur jusqu'à ce qu'il est parti. Il a fait le soldat. C'est ça le soldat. Parce qu'il ne pouvait plus tenir la douleur. Il n'avait pas été égorgé? Non, moi je n'ai pas vu qu'il égorgé. Mohamed ne m'a pas dit qu'il a été égorgé. D'accord. Mohamed, c'est un Sierra-Léonais qui le conduisait. Lui, je l'ai rencontré à la maison centrale. S'il est en Sierra Leone aujourd'hui, peut-être on me dit qu'il est en Sierra Leone, c'est ce que j'apprends. Vous savez, Begré, il a grandi ici. On va continuer. On revient au stade. Il y a des fils électriques qui avait été posé sur les murs
Vous dites? Des fils électriques. L'électricité. Les fils électriques. Oui, je vois. Vous avez compris? Oui. Ces fils-là ont été posés sur les murs. Les manifestants ont été électrocutés. Ils ont trouvé la mort. Également, toutes les issues du stade avaient été bloquées. Pour vous, qui a fait tout ça? Avec toutes les explications, là, bon, moi je n'ai pas quand même pris du temps au stade. Je n'ai pas vu ça. Si cela est fait, c'est ceux qu'ils ont, c'est le, dont le président a envoyé qui ont fait ça. C'est tout. Il n'y a pas une explication contradictoire à ça. Un civil ne peut pas enlever les fils de fer, mettre sur les murs. Lui, il cherche à fuir. Et le 28 septembre, vous étiez sorti lorsque vous avez appris que le président Dadis était sorti. Il est sorti, je l'ai vu. Voilà. Où vous l'avez rattrapé? Non, je ne l'ai pas rattrapé. Parce qu'il y a eu un peu de temps. Vous ne l'avez pas revu? Je n'ai pas rattrapé, je n'ai pas vu le président. Et quelle est la direction qu'il avait eu à prendre? Bon, je vous dis, au 1er novembre, vous savez, il y a une distance. Quand même, quand tu es sur le pont, le 1er novembre, vers le Calvaire, il y a quand même un peu de distance. Là, oui, oui, je veux dire, pour... lorsqu'il est sorti du camp Alpha Yaya, oui, oui. Quelle est la direction qu'il avait prise? Mais il a pris la direction, il sortait du camp. Non, il a pris quelle direction? La direction du stade. Du stade. C'est vers là. Parce que la sortie de Yimbé, l'autre côté, il était de l'aéroport, c'est deux grandes sorties. Donc, il y a l'Imbéa qui est face directement à la présidence, d'alors, et vers l'aéroport, où se trouve le grand bataillon. Donc, il était allé vers le stade. Oui, il est parti vers le stade. D'accord. Ça, c'est la direction. Et après, où vous l'avez retrouvé? C'était au camp ou bien où précisément? Après tous les mouvements. Moi, oui, après les mouvements. Je ne l'ai même pas calculé. Jusqu'à ce jour, là où nous sommes aujourd'hui. Vous n'avez pas revu ce jour-là? Quand tu donnes l'instruction à quelqu'un, c'est à ce temps que tu vas lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Ou bien qu'est-ce qu'il y a? Les gens donc qui l'a envoyé, c'est les gens là qui venaient le rendre compte. Bien, vous dites qu'il y avait un dispositif qui était au niveau de Madina, le pont de Madina. Bien sûr. Qui était à la tête de ce dispositif? Bon, je ne peux pas dire exactement celui qui était en tête, mais la rentrée du stade, j'ai vu quand même Makambo. D'accord. Voilà. Et au niveau du pont 8 novembre, qui non, je n'ai pas, juste, je ne les ai pas atteints. Moi, j'étais maintenant, bon, quand j'ai vu le dispositif là, pour moi, ouais, j'ai dit, ouais, le président est là. Parce que lui-même, il a tenu le matin qu'il faut qu'il parte au stade. D'accord. C'est un homme, il ne faut pas le voir comme ça. Ça vient dans sa tête, il le fait. D'accord. Sinon, le journal Baldé ne pouvait pas venir au camp, le prendre comme ça là, à l'oreille et partir à Koundara. Lui-même, au bord de sa pick-up. C'est lui-même qui conduisait, peut-être. Parce que c'est son habitude. Oui, mais est-ce que vous étiez d'accord que le président Dadis continue à rester au pouvoir? Rester au pouvoir? Mmh. Non, ce n'était pas mon goût. Vous n'étiez pas... Non, nous, on l'a préparé. Et on ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. D'accord. On lui a côtoyé. Quand j'ai vu le président Dadis faire comme ça, là, de premier jour, j'ai dit, oh, j'ai dit, ah, ça c'est quel mouvement encore? Mais il n'était pas habitué à ça. Il nous courtoyait, il était en bas de nous, mes enfants, on va faire comme ça. Mais dès qu'il a eu le pouvoir, c'était fini. C'est une autre personne qu'on a retrouvée devant nous. D'accord. Et Toumba a dit ici que vous, Marcel, vous étiez très puissant et très craint. Vous avez même giflé un ministre une fois devant Dadis. Vous confirmez cela? Très craint, très puissant. Oui. Ah, gloire à oui, Dieu. Les gens avaient peur de vous. Vous savez, les gens ont peur de moi par ma sincérité. C'est pas par ma violence. Est-ce que vous étiez très fort au temps du régime du CNDD? Très fort, ça veut dire quoi? Vous voulez dire? Vous-même, vous l'avez dit ici, hein, quand vous parliez, vous dites que pratiquement tous ceux qui sont dans le box savent qui est. C'est inné à moi. Voilà. Monsieur le procureur, c'est inné à moi. Et même là où je suis assis, je suis un homme fort. Oui, mais au temps du CNDD, vous étiez aussi très fort. Je suis jusqu'à présent fort. D'accord. Et vous étiez très craint, même les ministres vous craignaient. Ministre, tous les ministres du président Dadis me disaient mon fils. D'accord. Ils ne vous craignaient pas. Je faisais le sport avec le ministre de l'économie et de la finance, M. Sandé.
Il vient me réveiller, mon fils allant au sport. C'est pas comme ça que je suis. Je suis un homme courtois. On continue. Et ce jour, le 28 septembre, de Manéa, est-ce que Pivi est venu vous retrouver au camp Alpha Yaya? Ah, bon, le colonel Pivi, il est là. Moi et le colonel Pivi, sauf je vais aller le saluer. Hein. Bonjour, grand frère. Oui, vous avez compris la question. Mais je n'ai pas vu le jour du 28 septembre. On n'avait pas les mêmes programmes. Vous ne l'avez pas vu? D'abord, il n'est même pas venu me saluer quand j'étais malade. Comment je vais aller vers lui? Vous ne l'avez pas vu? Je ne l'ai pas vu. Bien. Et au niveau de la clinique Ambroise Paré, est-ce que vous n'avez pas émis l'idée d'envoyer les leaders au camp Alpha Yaya Diallo? Non. Non. Je n'ai pas de cellule pour ça. Et est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez sorti la grenade? J'ai bel et bien dit, monsieur le procureur. Si Toumba n'avait pas intervenu entre moi et le collègue Tegoro, c'était pas grand, c'était oui, pas bon. Oui, c'est la motivation. La motivation, il a trahi. Non. Il a mis le président Danis dans l'eau. Cette menace, c'était contre les leaders ou non? C'était contre Tegoro. C'était contre Tegoro, monsieur le procureur. Si j'étais contre les leaders, je vais les reconnaître. Moi, je suis un homme. J'allais le dire parce que je suis un homme. Vous n'avez pas empêché l'admission des leaders non, au sein de cette clinique? Non, c'était pas de la manière. C'est les gens qui ont interprété comme ça, ils ont analysé comme ça, parce qu'ils ont peur. Quand tu as peur, tu analyses les choses comme tu le veux. Donc, vous avez sorti la grenade contre Tegoro? Mais il fallait. C'était contre lui? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? Ce sont eux qui ont fait tout ce qui est passé au stade. Mais pourquoi vous n'avez pas attendu au camp? Attendre au camp? Il a l'autre leader. Moi, je ne sais même pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que quand tu veux sauver quelqu'un, tu es là présent et en train de le maltraiter. Le jeune qu'il avait porté, c'est à ce temps, moi-même, j'ai gardé le sang-froid. Parce que quand j'ai vu le jeune l'a porté, je ne le connais pas. Je ne sais même pas si c'est un garde-corps ou quoi. Mais quand il était maintenant en mouvement, lui partait, j'ai dit d'accord, on va sortir dehors. Ils ont mis dans leur voiture. Même la voiture, là, je ne retiens même pas la marque, les noms, parce que c'était la folie. Bien. Vous avez déclaré ici que durant tout son règne, le président Dadis ne nous a offert que la somme de 2 millions. Des briques. Millions de francs. Alors, comment vous fonctionniez? C'est le commandant Toumba qui avait pitié de moi. Hein. C'est lui qui vous donnait l'argent? Il pouvait me donner mon plus petit carburant. Quand il gagne un peu d'argent, il me donne un peu. C'est lui qui vous faisait fonctionner? Mais tout le monde. Tout le monde, pas moi seul. C'est pas moi seul. Hein. Vous n'avez eu que 2 millions. C'est 2 millions. Vous savez, le don. Quand le procureur me donne 2 millions tout de suite, c'est à moi qu'il m'a donné. C'est pas moi seul. Hein. J'étais avec le commandant Toumba dans sa chambre. Et c'est le commandant Toumba qui l'a donné à main. Prenez ça. Le commandant Toumba m'a dit, ah, comme c'est le président qui nous a donné ça, c'est béni. On va avoir beaucoup d'argent plus que ça. Il a pris 1 million, j'ai pris 1 million, j'ai mis la main. On est sorti. Nous, on n'a pas beaucoup de temps avec le président Dadis. Bien. Et aussi, vous ne cessez de répéter que le président Dadis vous a trahi. Il vous a écarté. Plus que tout. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? De quelle trahison? Bah bon, la trahison à député. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'aller faire les cours d'officier et tu le fais traîner. Chacun de nous a besoin de formation. C'est une trahison. Non seulement lui, il est parti en Allemagne, il a fait les cours. Moi, pour moi, il me bloque. Parce qu'il est chef d'État. D'accord, je suis d'accord. Je suis à ton chevet. Mais quel poste qu'il m'a donné? Quelle construction il m'a donné? Quel terrain il m'a donné? Donc vous êtes où je peux habiter? Quel poste? Vous êtes frustré? Je ne suis pas frustré. Je suis un homme de Dieu. C'est le destin. Je suis vivant. D'autres sont morts. Donc, ne pas être frustré, ce n'est pas reconnaître la grandeur de Dieu. Je ne suis pas un homme frustré. Je suis un homme patient. D'accord. Lorsque vous retourniez au camp
après tous ces périples. Vous n'avez pas rencontré le colonel Pivi Amdalaï avec son cortège? Franchement, j'ai vu 3-4 pick-up qui descendaient. Mais dire que j'ai vu le colonel Pivi assis dedans. Ces pick-up-là, vous les connaissiez? Non. Bon, les pick-up, vous savez, au groupement de CNDD, il y avait tellement de pick-up. Est-ce que tu n'étais pas... Je ne peux pas identifier, c'est pour Amdalaï, qui Amdalaï, les pick-up dont vous parlez non, là. Non, je ne peux pas identifier. Moi, c'est les gens que j'ai pu reconnaître par leur armement, c'était au rond-point. Quand ils viraient pour rentrer au camp, ils quittaient chez le général. J'ai compris que ouais, ça, c'est le groupe du général. Oui, mais l'autre... Mais l'autre, là, je n'ai pas pu reconnaître. Parce que je ne savais pas l'intérêt. Moi, mon chef était devant, je ne contrôle pas ça. Ça c'est, parce que je savais que déjà, c'est gâté. Bien. Toumba a déclaré ici qu'à la veille du début de ce procès, il a organisé une petite réunion au niveau de la maison centrale entre vous, Cécé Raphaël, et lui. Et il vous a dit... Nous allons devant le peuple, allons-y et on va dire toute la vérité. Vous confirmez cette réunion? Non, ce n'est pas une réunion. Est-ce qu'il avait, il vous a fait appel quand même? C'est le jour où on est venu nous donner nos fiches pour nous montrer la date réelle du procès. Moi, j'ai quitté au bureau, je suis venu le trouver, il était avec. C'est Raphaël était de passage, il a appelé Cécé, sont assis. Quand j'ai parlé, il dit Massagui. J'ai dit oui. C'était la première fois. Parce que tout le monde à la maison centrale, on ne se fréquente pas. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit viens. Ah, le procès. J'ai dit assois-toi. Je me suis assis. C'est dehors. C'est pas dans une chambre. Ah, Marcel, bon, le procès commence. Comment va se passer? On va dire la vérité. J'ai dit oui. Dites votre vérité. Je vais dire ma vérité. D'accord. Donc, cette entrevue. Voilà, j'ai dit, vous dites la vérité, vous dites, bon, il voulait m'envoyer. J'ai dit, non, vous dites pour vous, je dis pour moi. On est parti, on va au procès, que chacun dise ce qu'il a dit. Moi, on me dit pas. Vous avez dit, même si on envoie un char. Non, je suis charman. Non, est-ce qu'on n'avait pas dit ça à tout le monde? Non, je n'ai pas dit que même si vous envoyez un char. Non, non, non. Ça, c'est le commentaire. Mais vous avez dit, dites pour vous. J'ai dit, dites pour vous, je vais dire pour moi. Ils ont leur stratégie, j'ai ma stratégie. Vous êtes venu, vous avez dit pour vous. Voilà. Chacun de nous a sa stratégie. Moi, je n'ai pas. Je suis un ministère stratège. Ce qu'il ne voyait pas, moi, je voyais cela. Merci beaucoup. C'est ce qui est là aujourd'hui. Au niveau de Kalea, le camp de Kalea, le centre de formation de Kalea, les autorités qui étaient impliquées dans la gestion des recrues. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms? Ah, monsieur le procureur, là je ne connais pas. Vous savez, les centres de formation, ce n'est même pas la présidence qui commande les centres de formation. Les instructeurs aussi ne sont pas choisis par quelqu'un. Vous ne pouvez peut-être pas. Les recrues étaient gérées par qui? Les recrues, bon, là-bas, je ne connais pas le directeur du centre quand même. Je ne connais pas. Je ne veux pas que je mente. Je ne suis pas parti, il n'y a pas de relation. Mais vous êtes quand même ferme. Les 300 qui étaient venus au camp Alpha Yaya étaient venus de Kalea. 300? Oui. Vous nommez? Oui, 300. Les jeunes qui étaient venus. Moi, je ne peux pas nommer, mais les jeunes qui étaient au Kalea étaient gérés par Makambo. C'était au vu de tout le monde. D'accord. Où ils avaient quitté ces jeunes? Ah, mais ça, c'est les soldats de Kalea. De Kalea. Ah, ils étaient venus tous de Kalea. Ah, ça, c'est clair. Ils étaient au camp géré par... Il n'y avait pas de soldats, si ce n'était pas eux. D'accord. Il n'y avait pas de soldats, parce que les soldats de 66, dès qu'ils sont sortis, le même jour, on les a gardés grade caporal. Dans la différence existe. Et quand ils nomment quelqu'un caporal, la fureur de la joie qu'il a, même il oublie le grade dans la douche, il va aller prendre. Bien. Dans ces événements, quel est le rôle que colonel Gabi a joué? Colonel Gabi, le ministre. Bon, lui, je l'ai pas vu. Il n'a pas eu de contact. Je connais pas comment il a géré sa situation. On ne s'est pas rencontré. Et Blaise Goumou? Blaise Goumou, moi, c'est ici que je l'ai vu. Hein. Je ne connais pas. D'accord. Je l'ai jamais vu de mes yeux. Blaise Goumou. Et Kalonzo?
Carlos Jordan, moi-même, je ne sais même pas pourquoi il est là. D'accord. Lui, je ne le connais même pas. Et qui avait transporté ces jeunes recrues venus de Kalia dans les cars au niveau du stade? Monsieur le procureur, le président Dadis a de mauvaise foi. C'est pourquoi à chaque fois que je parle son nom. Peut-être ils vont dire je suis acharné contre lui. Non. C'est la mauvaise foi. Son chargé d'opération faisait tout pour lui. Makambo. Ça c'est... Même, je suis en train de parler, ceux qui vivaient au camp, Alpha Aya, et les militaires, sont tous témoins. C'est pas caché. Makambo marche avec H. Oui, je vais simplement parler du transport de ces recrues. Du camp. Tout ça c'est effectué par le président d'Addis, Makambo, les Gono Sangaré, surtout Gono. Oui. Celui l'intendant, celui qui doit mettre le carburant. D'accord. Voilà. Il y avait combien de cars environ? Bon, je n'ai pas vu de cars. On a parlé de trois cars. Je n'ai pas vu de... Vous avez des choses comme ça, ils font une dissimulation. Les militaires... Vous confirmez quand même que ces jeunes recrues avaient été transportés. Ils ont été transportés. Là, ça c'est formel. Merci. C'est eux-mêmes qui ont fait des gavures là, que le peuple de Guinée a eu souffert. Bien, et au niveau du stade, ceux qui arboraient des courriers et qui détenaient des flèches, qui avait envoyé ces gens là-bas? C'est pas des civils. C'est des militaires. Des militaires. Des soldats. Habillés en civil. Qui sont pas... Vous savez, moi j'ai... Autant de lances rencontrées, ils ne sont pas à Sigri. Le référendum, oui ou non? Le président là se rend compte, mais avec sa stratégie, nous on avait fini la formation, mais on n'était pas sorti. Les élections, oui ou non, est arrivée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer les soldats dans les différentes préfectures de la Haute-Guinée. J'ai participé à Sigiri. Mais nous on a été stratège parce qu'on a fait une formation militaire. Arrivé, on a fait le sport à Sigiri. Les Sigiri ont dit, hey, sois-y, même l'anté. Mais bon, qu'on a grillé. Et ils ont replié. Nous, on sensibilisait les gens avant le jour de vote. Ça disait, maman, si vous voulez voter, si vous ne voulez pas, laissez. Il n'y a pas de problème. On est pour vous. On enlève les pneus. Oui, on n'était pas armés. Mais une fois que tu dotes un soldat qui n'a pas de formation militaire clé, et tu l'envoies dans la foule, il va faire ce qu'il veut. Il croit qu'il est au champ. D'accord. Il y a des gens qui détenaient des flèches. Est-ce que ces gens-là ne ressemblent? J'ai pas vu. Vous n'avez pas vu de flèches? Non. Il faut pas qu'on trop abuse tout. Flèches, non. Mais il y avait des gens qui avaient des poignards. Oui, mais les couteaux, mais ils vont. Les couteaux. Vous savez, le soldat. Ces couteaux étaient détenus par qui? Les soldats. C'est les soldats. Les soldats. C'est les soldats. Vous dites que vous étiez allé une fois chez Gono Sangaré ou bien vous n'étiez pas allé? Non, moi, je suis pas parti là. Vous n'étiez pas allé, hein? Là, il faut pas que je m'en. Vous étiez chez Formo plutôt. Formo, c'était pas chez lui. Peut-être on l'a fait venir. D'accord. C'était au camp? Non, c'était à Symphonia. Symphonia. Chez lui. Chez lui. En tout cas, si c'est Formo logé là-bas. Mais en tout cas, il était. Formo ne venait pas au camp. Bon, moi, je n'avais pas de relation avec Formo. Parce que tout m'a dit qu'il était. Moi, je suis un Zoro. Tout m'a dit qu'il était en compagnie. Vous êtes un Zoro. Un Zoro, ça veut dire quoi? Ah, il faut aller dans la forêt sacrée quand tu dis ça. Si je te dis ça, c'est pas bon. D'accord. Bien. Maintenant, Formo, est-ce qu'il venait souvent au camp Alpha Yaya? Ah, Formo était là, il marchait. Il était avec le président d'Addis. Tout m'a dit qu'il était en sa compagnie au stade. Oui, mais ça peut être vrai parce que c'est ça peut être vrai. D'accord. C'est la vérité. Parce que c'est un homme clé de d'Addis. Bien. Et votre ami Turam? Père à son âme. Ah, il est décédé. Il est décédé. D'accord. Tiram, c'est un promotionnel même, 2001. Ah, paix à son âme. Oui, paix à son âme. Il est mort en 2022, ici à la clinique internationale. Ça m'a trouvé en prison à Kindia. D'accord.
Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire réellement quel est le motif de votre divorce d'avec le président Dadis? Parce qu'on sent une rupture. Qu'est-ce qui a amené tout ça? Cette volte-face. Divorce, ça veut dire quoi? C'est que vous n'êtes plus ensemble. Ah, mais on est ensemble, on est devant le tribunal, mais il faut qu'on parle la vérité. Je veux savoir quelle est la cause de la rupture entre vous. Il n'y a pas d'abord de rupture. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. Ça, c'est peut-être celui qui peut mettre la rupture, mais la vérité, il faut la dire pour qu'on puisse être libre. C'est parce que vous avez décidé de dire la vérité. Non, mais moi, il n'y a pas de quelle rupture. On n'est même pas ensemble. On n'est pas dans la même cellule. Bien. Après, ici, ça rentre. On a appris que vous lui avez demandé 300 millions et une maison. 300 millions et une maison. Le réclamer, c'est ce qu'il a refusé de donner, c'est pourquoi vous avez décidé. Non. Vous savez, monsieur le président, est-ce que vous lui avez demandé ça? Non. Si j'ai besoin de demander quelque chose, je vais vers lui. C'est ses avocats qui sont en train de faire ces montages, ils n'ont qu'à le faire. Je vais vers lui, je dis, monsieur le président, j'ai besoin de ça. Je l'ai servi loyalement. Je peux lui demander face à face. J'ai besoin de ça. Si des gens sont allés le voir pour ça, ce n'est pas moi. Mais moi, je ne l'ai pas dit face à face. Donne-moi 300 millions. C'est une vie. Mais quelle vie là? Ce qu'il ne m'a pas donné au pouvoir, c'est maintenant, en prison, il va me donner. Bien. Maintenant, pour finir, vous avez entendu M. Lonsène Fall et avant lui, M. Sidi Atouré. Monsieur Jean-Marie Doré, paix à son âme, on dit que vous les avez agressés. Monsieur Fall a dit ici que par rapport à Monsieur Sidi Atouré, ça s'est passé deux fois. D'abord dans l'enceinte du stade et au niveau de la voiture. Et d'autres victimes ont dit ici, vous Marcel, vous étiez au stade. Vous, qu'est-ce qui vous a conduit au stade? C'est pour la sécurité du président. Il est habitué à ça. Non, le président n'y était pas. Mais vous dites, mais il est sorti, je l'ai vu. Oui, mais il n'était pas dans l'enceinte du stade. Mais c'est sa cortège. Non, est-ce qu'il était dans l'enceinte du stade? Je ne l'ai pas vu dans l'enceinte. Bien, vous, qu'est-ce qui vous a amené à l'intérieur du stade? Oui, parce que j'ai vu les gens rentrer. Je pensais que le président était rentré dedans. Aussi. Oui, parce que là où il y a Makambo. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Hein? Là-bas, qu'est-ce que vous avez fait? Non, je n'ai pas fait de quelque chose de grave. J'ai fait mon mieux. Oui, maintenant les gens disent que vous avez blessé, vous avez tué. Les gens qui sont en train de dire que je les ai blessés, si je les avais blessés, monsieur le procureur, j'allais dire j'ai blessé. Je suis un militaire, j'allais dire j'ai blessé. La prison, c'est Dieu qui octroie à l'homme. C'est le destin. Tu peux rester couché, on vient te prendre, on te fout en prison. Et on vérifie que tu ne serais pas toi. D'accord. Est-ce que vous arrivez de porter béret comme. Ah, mais je n'ai pas la même forme de tête que tout le monde. Est-ce que il vous arrivait de porter... Non, mais les gens sont... Vous savez, les Guinéens... Pardonnez-moi. Les Guinéens... Non, c'est Toumba même qui l'a dit. Hein. Laissez les Guinéens de côté. Toumba a dit ici que vous portiez le béret. Non, moi, je suis un charman avant tout. Est-ce que vous arrivez de porter... Un charman ne porte pas le béret comme ça. Je ne suis pas un commandant. Vous n'avez jamais porté le béret comme ça. Je ne porte pas le béret comme... Si je le porte comme ça, peut-être c'est au hasard. Hein. Mais je ne le fais pas sciemment pour porter le béret comme Toumba. Bien. Je ne le fais pas. Et vous avez dit aussi que c'est Thiebro qui guidait le président Dadis. Ah, mais ça, le lundi au dimanche, tu ne peux pas aller dans le bureau du président sans voir Thiebro. Il était toujours avec lui. Ah non, ça c'est permanemment. D'accord. Quelqu'un que tu vois comme ça, même un chef... Vous voyez quelqu'un chaque jour à côté de lui, c'est un fumiste. Ça c'est clair. Il était toujours à la prison. Même toujours. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'à son bureau est à côté. À la veille de ces événements, est-ce que vous pouvez confirmer sa présence aux côtés du président Dadis? Lui ne peut pas dire qu'il n'était pas avec Dadis, ça c'est faux. Merci monsieur le président. Il est lundi au dimanche, il est avec lui. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur Marcel. Monsieur le Procureur. Notre échange tournera essentiellement autour de 5 ou 6 points.
mais avant, je voudrais juste vous rappeler que c'est vous qui avez eu un examen de conscience et spontanément vous avez levé la main dans le box, et quand le président vous a demandé de venir ici, vous avez dit que vous veniez pour dire la vérité. Je suppose que contrairement à ce que vous aviez dit lors de votre premier interrogatoire, le même examen de conscience va vous conduire à dire la vérité. Parce que quand vous parliez, je vous ai entendu dire que vous êtes mortel. Que ce soit en prison ou ailleurs, vous allez mourir. Et que vous n'avez pas peur de cette mort qui est inévitable. Donc moi je vais vous poser une question. Je ne reviendrai pas sur tout ce que mes collègues brillamment dit. Et je ne reviendrai pas sur ce que substantiellement vous aviez dit lors de votre premier interrogatoire. D'abord, est-ce que vous confirmez qu'il y a eu des pillages le 28 septembre et les jours suivants? Bon, je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas assisté. Pourtant, hier vous aviez dit qu'on retrouvait des véhicules dans l'enceinte du camp. Des véhicules qui n'étaient pas la propriété de l'armée guinéenne et qui n'étaient pas la propriété d'un occupant du camp. Ces véhicules sont issus de quoi? Ok, ça c'est pas seulement parler du 28 septembre que j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça de l'administration du service d'antidrogue qui était au sein de la présidence. Il faut pas arrêter quelqu'un et que tu prends tous ses biens et que tu le fais de posséder et ses biens. C'est pas ses biens qui sont en position de faute, c'est sa personne. C'est ce que je voudrais dire ici. D'accord. Parce que vous aviez dit, voilà. Je suis satisfait par rapport à votre réponse, monsieur. Vous avez dû suivre, ne serait-ce que les médias, le 28 septembre au soir ou les jours d'après, où on faisait état du pillage des commerces du côté de Amdalaï, Kosa, Bambeto, et le contenu avait été emporté par les pilleurs. Est-ce que vous étiez informé de cela? Bon, je n'ai pas été informé de ça. Moi, je n'écoute pas trop la radio. Pourtant? Je n'écoute pas la radio. Ça, c'est la vérité. Oui, vous n'écoutez pas la radio, mais c'était une actualité, une préoccupation nationale. Oui. Bon, même les vendeuses de feuilles de manioc en parlaient. Ce n'était un secret pour aucun Guinéen qu'il y avait eu des pillages. Oui, vous, qui étiez au camp en ce moment, le camp où vous avez grandi, vous l'avez précisé hier, vous aviez dit que vous connaissiez les coins et recoins de ce camp, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'aviez pas entendu entre vous là-bas parler de ce pillage? Franchement, il faut que je mens. Si je savais, j'allais le dire. Il faut que je mens. Parfait. Alors, on a parlé du disparu. Vous avez dû suivre, lors des audiences ici, des victimes qui sont venues dire au tribunal qu'elles venaient se constituer partie civile pour n'avoir pas vu les leurs qui sont sortis du stade le 28 septembre, qu'elles ont recherché des jours après. Même l'exposition des corps à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, il y en a qui y ont fait des tours, mais qui n'ont pas retrouvé leurs parents sortis de leur domicile le 28 septembre pour venir au stade. Vous étiez informé de ça quand même, monsieur Marcel? J'ai vu ça. Très bien. Qu'en savez-vous? Les disparus, je ne peux pas dire exactement où ils sont. Et comme on parle de disparus, vous savez, chaque camp a une responsabilité.
Vous êtes conscient quand même. Le colonel Théa. Vous êtes conscient quand même. Le général Théa maintenant qui est. Monsieur Marcel. Oui. Vous êtes conscient quand même qu'il y a eu des disparus, n'est-ce pas? Ah, vous savez, c'est un problème complexe. Et ce que tu n'as pas vu, mais si les gens parlent, il faut qu'on vérifie la réalité. Et surtout, le camp dont on parle, quand ça a mouru, quelqu'un dit j'ai vu, il est là, il est vivant, le journal Théa. C'est un nom. Demandez-le, il était le commandant du camp. En attendant, si on envoie les corps monsieur, chez lui, monsieur, les corps ne peuvent pas sortir. Monsieur Marcel, oui. En attendant, c'est vous qui êtes à la barre. Non, je ne sais pas, comme l'affaire de corps disparu. Je ne connais pas le lieu, ça n'a pas fait devant moi. C'est ici que j'ai appris, c'est des informations. Chacun de nous doit chercher, mais si le colonel et le journaliste lui-même a confirmé qu'il a vu et qu'il était commandant du camp, alors où on a envoyé ses corps, demandez-le. Il va vous dire qui lui a donné l'ordre ou bien où on a envoyé. Parlons des violons qui étaient, enfin des lieux de privation de liberté qui étaient institués dans l'enceinte du camp. Il y a quand même un conteneur qu'on avait érigé comme violon. Est-ce que vous étiez informé de ça? Bon, conteneur, je ne peux pas confirmer, il n'y avait pas de conteneur. Oui, mais vous étiez informé des violons quand même. Mais ça, c'est d'abord la preuve. Où était cette boule béret rouge pendant un mois? Vous étiez informé qu'il y avait des violons au camp ou pas? Mais pas des violons, mais le violon. Parce que c'est les antidrogues qui arrêtent. C'est quand tu arrêtes quelqu'un, il faut que tu le loges. Bien. Cet antidrogue, c'est le service de M. Thiebro. Il avait un violon à l'intérieur. Bien sûr. Monsieur, il peut pas dire ça. Il y en a qui avaient des victimes qui avaient parlé d'un lieu de privation de liberté également là-bas qui était administré par M. Claude Pivi. Vous confirmez? Non. Là, je ne suis pas au courant de ça. Bien. Vous savez, son service. Puisque vous étiez dans l'enceinte du camp, le 28 septembre et les jours qui ont suivi, il y a bien des victimes qui ont été torturées à l'intérieur là-bas. Et quand on torture un être humain, ce qui est sûr, vous entendrez forcément des cris. Vous étiez un membre, même si vous n'étiez pas membre de ce CNDD, vous l'aviez dit hier, mais vous étiez un homme influent du CNDD. Est-ce que vous aviez entendu les cris de détresse de ces femmes, non, de ces hommes qu'on avait retenus contre leur volonté? Non. Si cela se fait au camp, certains vont parler, hein. Le soir du 28 septembre, non, vous n'avez pas entendu non, parler. Non. Les jours qui ont suivi non plus. Non, j'ai pas entendu de cris, de lamentations d'une personne qu'on est en train de torturer. Là, il ne faut pas qu'on ment. Monsieur Marcel, je voulais juste vous préciser que tout a un prix à la barre d'un tribunal. La bonne foi se paye et la mauvaise foi aussi. Moi? Je dis oui? Que tout a un prix à la barre d'un tribunal. La bonne foi se paye, la mauvaise foi aussi. Oui. Vous avez accepté volontairement. Mon collègue vous a précisé tout à l'heure que ce n'est pas le tribunal qui vous a appelé. C'est spontanément que vous avez levé votre main dans le box. Et quand le président vous a appelé, vous avez dit que vous voulez dire la vérité. Des victimes ont défilé ici qui étaient retenues contre leur volonté dans l'enceinte du camp. Le camp qui abritait la présidence de la République à l'époque où vous avez votre logement. Vous n'avez pas entendu les cris de détresse de ces gens? Franchement, je suis devant Dieu. Si j'avais entendu, j'allais le dire. Je suis venu pour dire la vérité. Mais si je mens encore, alors, où est la vérité? Parfait. Je continue. De la rentrée, quand vous êtes rentré au stade du 28 septembre, vous avez mis combien de temps à l'intérieur, approximativement? Ça n'a pas dépassé 15 minutes. Ça n'a pas dépassé 15 minutes. Ah. Très bien. Vous avez dit tantôt que vous avez vu M. Aboubacar Diakité, dit Toumba, qui donnait des coups
à certains bérets rouges. Vous le confirmez? Oui, je confirme. Bien. Comment vous étiez habillé? Moi? Oui. Comment j'étais habillé? Bien sûr. C'est ma question. J'étais en tenue camouflage militaire. Tenue camouflage militaire. J'étais en tenue camouflage. Est-ce que vous aviez un par-dessus? Bon, par-dessus, non, je ne porte pas par-dessus. Vous n'avez pas de par-dessus? Non, par-dessus, vous savez, c'est long. Donc vous n'étiez qu'avec votre seule tenue militaire? J'étais dans, avec ma tenue, ma grenade est là, à côté gauche. Vous aviez une arme? Oui, j'avais. Quelle est la nature de l'arme que vous avez? Mon arme était le PMAK, pistolet Kalashnikov, Alexandre Kalashnikov. Très bien. Beaucoup de victimes ont soutenu lors de leur audition, je m'excuse, devant le pool des juges d'instruction qui vous ont vu, vous Marcel Guilavogui, ouvrir le feu sur les manifestants. Vous venez de confirmer que vous aviez une arme. Est-ce que vous l'aviez utilisée dans l'enceinte du stade du 28 septembre? Moi, je ne suis pas parti avec Pierre Maka au stade. C'est ma seule grenade qui était avec moi. Je viens de vous poser la question. Vous m'avez répondu, Monsieur Marcel. Oui. Je vous ai demandé de me décrire votre habillement. Vous l'avez décrite. Oui. Je vous ai demandé si vous aviez une arme. Vous m'avez répondu par l'affirmative. Oui. Je demande maintenant si vous aviez fait usage de votre arme. Vous dites que vous n'avez pas d'arme? Non, je ne suis pas parti avec une arme PMAK au stade. J'avais une arme, mais pas au stade. Le tribunal appréciera votre déclaration. Je n'ai pas envoyé d'arme. Maintenant, on a parlé des femmes victimes de viols et de violences sexuelles. Vous avez mis 15 minutes approximativement dans l'enceinte du camp. Dans l'enceinte du stade, j'allais dire, est-ce que vous n'avez pas vu des femmes qu'on violait, des femmes qu'on tentait de violer, des femmes qu'on a mis nues, des femmes qu'on traînait au sol parce qu'elles ne voulaient pas se faire violer? Vous n'avez pas vu des scènes comme ça? Non, si je voyais, j'allais les sauver. Un homme ne peut pas violer. Vous n'avez rien vu de tout ce que je viens de dire? Je n'ai pas vu, j'ai pas vu ça, il faut que je sois clair. J'ai pas vu ça. Si je voyais, ça n'allait pas faire devant moi. J'allais sauver la dame. Ça, c'est clair. Parmi tous ceux qui sont au box ici, qui vous aviez vu et reconnu formellement à l'intérieur du stade du 28 septembre? Ce que j'ai vu ici, ce que je viens de vous dire ici. Oui. J'ai vu le commandant Toumba. Oui. Il se battait avec ses soi-disant bérets rouges. C'est à ma sortie. Il avait une arme, monsieur Toumba Diakité. Hein? Il avait une arme? Non, je n'ai pas vu d'arme avec Toumba. Parfait. Tout le monde n'avait pas une arme. D'accord. Lui, vous l'avez vu et vous c'est vrai, lui, je l'ai vu à la sortie de la peluche. Et avec son groupe. C'était nombreux, hein? Avec certains bérets rouges, c'était en béret vert, c'était en cold body, c'était avait pas de béret. Monsieur Thiebro, Moussa Thiebro Camara, vous l'avez vu? Oui, c'est vu. Lui, c'est les deux personnes. Dans l'enceinte du stade. L'enceinte du stade, ici. Ceux qui sont là, assis. Il avait une arme aussi? Oh non. Il n'avait pas d'arme? Non. Il y avait des hommes qui l'encadraient? Ah, bien sûr. Qu'est-ce que vous l'aviez vu faire? Bon, je ne l'ai pas vu frapper quelqu'un. Bien. Mais je l'ai entendu parler. Mais les paroles là, comme j'étais en danger. Ceux qui étaient autour de lui, qu'est-ce qu'ils faisaient? Non, j'étais là. J'avais dans tout le bruit de certains bousculaires, c'est lourd. Ben le jeune qu'il avait porté, c'est un homme. Hein. C'est un vrai homme. Pendant qu'on molestait M. Selou Dalin Diallo, M. Thiebro était là. Mais il était là. C'est pourquoi? C'est le fait de ces hommes. Qui m'a fait mal. C'est le fait de ces hommes. Immédiatement, j'ai compris. Hop, cet homme-là a gâté le pouvoir qu'on a tant cherché. Est-ce que ce sont ces hommes, mais c'est ces hommes qui ont administré des coups à M. Ils étaient en body noir, le body noir, écrit anti-drogue. C'est ces hommes. Il n'y a pas d'autre groupe que lui. Il était là. Il était là. Vous ne l'avez pas entendu défendre à ces hommes? Non, non, non. De donner des coups à ce monsieur? Du tout, du tout.
Et tout. Plutôt, le jeune, même, le jeune qui avait porté, ben lui-même, on le brusque. Mais le jeune, le fond, c'est que vers la sortie. Aviez-vous vu monsieur Claude Pivy? Non, non. Claude Pivy, on ne s'est jamais vu, même le 28. Je ne l'ai pas vu, on ne s'est même pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas assisté. Je n'ai pas vu Claude Pivy. Donc, les seuls que vous avez vus et reconnus, c'est monsieur Aboubakar Diakité de Toumba. Degré est rentré au stade, c'est le procureur. Oui, je parle de ceux qui sont dans non, la non, 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 non. Vous n'avez vu que monsieur Aboubakar Diakité de Toumba? Oui, je l'ai vu. Et monsieur Moussa Tchebro Camara? Oui. C'est les deux que vous avez vus? Oui. Et vous les avez formellement identifiés? Non, lui-même, Tchebro, même en distance, tu vas le reconnaître. Pas sa taille d'abord, tu peux le reconnaître. Bien. Le soir du 28 septembre, est-ce que vous avez fait un tour du côté de l'hôpital Donka? Non, 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 non. Moi, je ne suis pas sorti du camp. Non, non, non. Tout ce qu'on est en train de dire, et puis il y a Donka. Non, 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 non. Vous n'êtes pas venu non, à Donka? Non, ça, c'est assez faux. Et à l'hôpital Ignace? Non, je ne suis même pas sorti. Monsieur le procureur, je ne suis même pas sorti du camp. On était frustrés. Même Dadi, le président Dadi, je ne l'ai même pas regardé. Jusqu'à là où nous sommes, là, il n'a jamais, on s'est jamais assis pour discuter l'affaire du stade. Ou qu'est-ce qu'il dit? Non, il connaît. Il ne peut pas. Jusqu'à présent, monsieur le procureur, s'ils étaient fautifs, si c'est moi qui avais commis, ou bien nous qui avons commis ces extractions, le président Dadis allait m'appeler. Je le connais. Marcel, tu as fait ça. Pourquoi tu as fait ça? Comment vous vous êtes retrouvé au dispositif du cérémonial du 2 octobre 2009? Oh, 2010, j'allais dire. Oui, oui, là, c'est le commandant tout moi-même qui m'a obligé de partir. Hein. Oui, c'est lui qui m'a dit, hey, lève-toi, toi malade, malade là. On va aller au 2 octobre. J'ai dit, ah, allez-y, faites ça. Regardez là, j'ai dit, allez-y, faites ça, laisse-moi. Non. Les jours d'après. Les jours d'après. Les jours après. Les jours d'après. 2 octobre. Oui. Mais on était méfiants, on était là. Vous on le suivait. Est-ce que... vous avez eu un échange avec la commission d'enquête internationale qui avait été mise en place? Moi, je n'ai jamais vu une commission nationale et internationale me demander, me poser une question sur le cas du 28 septembre. Jamais, je n'ai pas vu, je n'ai pas... Ils m'ont jamais assis, je n'ai jamais vu. Personne ne m'a demandé. Avec le recul, monsieur Marcel Guilavogui, vous qui avez dit devant le tribunal que vous voulez dire la vérité, avec le recul, 14 ans après, vous pensez que, est-ce que, en âme et conscience, vous êtes convaincu qu'il y a eu des morts au stade du 28 septembre et que ces responsables-là sont bien les bérets rouges qui étaient partis et les recrues de Kalea qu'on y avait envoyé pour les besoins de la cause? Bon, ça c'est... C'est clair, ce que vous dites. Les bérets rouges, ils ont été habillés en rouge. Certains habillés en civil. C'est les soldats, les recrues, qui n'ont pas encore accès à une formation mûre. Voilà. Pour vous? Voilà, parce que pour le groupe, vous, au moins, moi, poser une question tout de suite de voir si qui j'ai vu au stade. Si au moins je reconnaissais un des gardes ou bien un élément de la présidence réelle, à part les groupes de Bigré. Mais eux-mêmes, je ne l'ai pas vu au stade à l'intérieur. Parce que peut-être ils sont rentrés pour faire des trucs. Parce que c'est des brigands, c'est des barbares. Ça, il faut se dire la vérité. Mais dire que c'est les bérets rouges qui ont fait, oui, peut-être on ne peut pas le dire parce qu'ils étaient habillés en rouge. Les bérets rouges que M. Toumba, les bérets rouges auxquels M. Toumba donnait des coups, ces gens-là étaient armés, non? Bon, il y avait certains qui étaient armés, mais pas tout le monde. Logiquement, puisqu'il y a eu des morts à l'intérieur du stade du 28 septembre, ces gens-là étaient armés. Le fait pour M. Toumba de leur donner des coups, ça voulait dire quoi à vos yeux? Ah, c'était pour les encourager? Est-ce qu'il y a eu des armes à l'intérieur? Mais c'est que, c'est,
par autopsie, on voit que c'est une balle qui a tué l'intéressé. Ceux qui avaient des armes, ce sont eux qui ont tiré sur les gens. Parfait. Donc, avec le recul, selon vous, qui est responsable? Quels sont ceux qui sont responsables des douloureux événements du 28 septembre 2009? Le président Dadis est responsable. Il est seul responsable, selon vous? Il est le seul responsable. Les recrues de Kaléa qu'on avait envoyées là n'ont posé aucun acte. Mais il commandait ces recrues, il est responsable. Les bérets rouges qui étaient venus spontanément dans l'ancienne Dadis est responsable, le président Dadis est responsable. Parce que je ne connais pas ces bérets rouges. Comment je peux donner la responsabilité à eux? Merci, monsieur le président. Merci, monsieur les assesseurs. Parti civil, les questions? Monsieur le Marcel, vous avez le droit de dire au tribunal que vous êtes fatigué. Je suis vraiment fatigué. Je vais prendre au moins 5 minutes de pause, si vous me permettez. L'audience est suspendue.
Bon, la direction qu'ils ont prise, ils ont pris la direction de la ville. De la ville? Oui. Vous avez cessé de les apercevoir à quel niveau après Madina? Bon, j'étais pas auprès d'eux. N'est-ce pas? J'étais pas auprès d'eux. Mais quoi qu'il en soit, ils ont pris la direction de la ville. Ils ont pris... Ça, c'est constant, n'est-ce pas? Voilà. Vous étiez dans votre patrimoine, si on prend votre logique. Oui. N'est-ce pas? Oui. Quand vous êtes arrivé à Farmaguine, est-ce que vous les avez vus là-bas? Bon, vous avez vu le dispositif? Je suis venu. Quand j'ai aperçu directement la grande porte, il y avait les gens qui rentraient, il y avait un peu d'engouement. C'est en ce temps que j'ai garé ma voiture. Moi, je demande. Oui. Vous êtes un militaire. J'ai pas beaucoup remarqué des dispositifs. Mais ce dispositif-là ne passe pas inaperçu, monsieur Marcel. Mais vous savez. S'il est présent. Oui. Permettez, s'il est présent à un endroit précis. Oui. Il ne passe pas inaperçu. C'est impossible. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous l'avez aperçu aux abords du stade? Bon, vous savez, le dispositif. Le dispositif militaire. Quand un président de la République est dans un lieu, c'est pas où il y a le dispositif où il est. Dès que tu trouves que le dispositif est garé, dis-toi que le président, soit il est à côté ou il est sorti de la voiture. On ne garde jamais le président dans un dispositif. Non, moi je ne suis pas arrivé d'abord. Stationnement, s'il vous plaît. Je ne suis pas arrivé au président. On va aller pas à pas. Oh non, on va pas à pas. S'il vous plaît. Si vous voulez. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez-moi parler ou bien je cesse de répondre à vos questions. Allez-y. C'est pas droit, hein. Vous pouvez cesser. Vous répondez, s'il vous plaît. Voilà. Vous répondez pour le tribunal. Allez-y. Merci. Merci, monsieur le président. Mais qu'il me laisse aller au bout de. Allez-y. Ça, c'est pas civil, c'est militaire. Un stationnement d'un président de la République dans un lieu ne dure pas plus de une minute. Faute de quoi? On peut le bombarder. L'ennemi peut surgir sur vous. C'est pourquoi les cortèges sont toujours en vitesse et au point A à un point B. Très bien. Mais donc, quand tu trouves un dispositif stationné, soit le président s'est dissimulé, il a quitté, soit il est au paravent. Parce que le dispositif ne garde que là où il y a le président, dans l'alentour. Très bien, ça c'est bien expliqué. Je suis satisfait de ce point de vue. Est-ce que vous avez retrouvé le dispositif au stade ou dans les alentours? Bon, le dispositif, lorsque j'ai garé la voiture, j'ai vu les dispositifs venir, certains descendaient et rentraient dans la cour. Donc, vous avez estimé que le président Dadis était rentré? Oui, j'ai estimé. Non, là, je n'ai même pas calculé. Donc, vous avez estimé qu'il était rentré au stade? Là, donc, c'était dans la tête, j'ai dit, voilà, le président est là. Parce que lui-même, il a dit le matin. Très ça, bien. C'est-à-dire, quand tu prépares l'idée des gens de ce que tu veux faire et qu'on voit l'application, donc il n'y a pas de. Donc, quand on vous dit aujourd'hui que le président Dadis était au stade, vous le confirmez? Je peux le confirmer. Très bien. Est-ce qu'il est rentré à l'instant du stade? Bon, je ne l'ai pas vu au stade. Très bien. Donc, vous venez au stade, vous voyez Makambo. Est-ce que vous aviez des différends avec Makambo? Oui. Est-ce que vous aviez des différends avec Makambo? Différends, ça veut dire. Des problèmes avec Makambo? Bon, problème. Il y a problème, il n'y a pas problème. C'est-à-dire? Le problème, je ne sais pas. C'est là qu'il cherche les postes. Dites-moi, quand par exemple le président de Tor vous laisse au camp, quand vous le retrouvez quelque part, où vous retrouvez le dispositif, qu'est-ce que vous faites? Nous prenons notre responsabilité de garde. En faisant quoi? Nous prenons notre responsabilité. Le aide de camp prend son poste d'aide de camp et nous on prend la ceinture. Très bien. Donc, quand vous êtes arrivé au stade, votre rôle c'était de prendre la ceinture, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce que vous avez fait? Mon rôle, c'est le terrain qui commande le combattant. Très bien. Expliquez-nous ça. Bien. Le terrain commande le combattant. Prenons un exemple à Bambeto. Lorsqu'on est venu, on l'a trouvé, il est arrêté au beau milieu des gens. Je pouvais être dehors, mais ces jours-là, je n'étais pas en ceinture de sécurité. Il fallait le couvrir. Il est là arrêté. Tumba est derrière lui pour ne pas que les gens, quelqu'un puisse lui lancer de l'eau chaude ou bien une bouteille de gaz ou un explosif. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit depuis le lundi que ce lieu était suspect. Très bien. Moi, j'ai compris ça. Maintenant, le terrain commande le combattant. Très bien. Ça... Par rapport au palais, quand on est venu, quand j'ai fait l'accident même sur la route, le jour que le président Wade est venu, Tegoula était là, Makambo est là, on est tous montés. Et dès que Toumba a repris la place,
Moi, j'irai descendu pour la sécurité. Merci Marcel pour tout ça. Mais focalisons-nous sur les événements. C'est important. Oui. Ne nous dispersons pas. Non. Vous dites que c'est le... Je dis, vous dites que c'est le terrain qui commande le combattant. Très bien, j'ai compris. Chaque lieu a sa façon de sécurité. Très bien. Maintenant pour le stade. Parlez dans le micro. Maintenant pour le stade. Dès lors que vous êtes venu trouver le dispositif selon vous, quelle devait être votre attitude? Honnêtement. Vous dites? Dès lors que vous avez trouvé le dispositif, oui, selon vos dires, oui, quelle devait être votre attitude à l'égard de ce dispositif? Vous deviez vous joindre au dispositif ou aller où vous voulez? Non, moi je ne suis pas allé où vous voulez. J'ai vu des dispositifs, certains dispositifs garés, certains sortaient pour rentrer dans le stade. Le problème est là. Il n'y avait pas de bruit. C'était calme. Il n'y avait pas de tir. C'est lorsque ce groupe-là est venu. Moi j'ai vu, j'ai entendu des coups de tir maintenant dans le stade. J'ai dit, ah, mais est-ce qu'ils n'ont pas attaqué le président? Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez vu Makambo quand vous êtes descendu de votre véhicule? Est-ce que vous l'avez aperçu rentrer au stade? Mais je n'ai plus de réponse pour ça. Merci beaucoup. J'ai beaucoup. Ensuite, dès lors que vous avez vu Makambo, vous devriez vous joindre à Makambo pour continuer votre mission, oui ou non? Parce que vous êtes venu pour le président. Moi, je me suis associé à Makambo pour la sécurité du président. Moi. Mais s'il est le commandant de ce dispositif, vous ne voudriez pas vous mettre à sa disposition? Bon, moi, je ne pensais pas ainsi. Maintenant que vous avez... S'il vous plaît. Allez-y. Moi, Makambo ne me commandait pas à la présidence. Dites-moi, de façon générale, je suis un peu peut-être profane dans cette discipline. Voilà. Quand un militaire de votre rang, oui, se rend compte que vous êtes garde-corps de la... Vous êtes de la sécurité présidentielle. Vous vous rendez compte que le président est sorti. Vous le retrouvez quelque part, même s'il n'est pas dans le véhicule, mais il y a son dispositif. Est-ce que vous ne venez pas vous joindre aux agents qui sont là-bas pour maintenir sa sécurité? Qu'est-ce que vous devez faire? Non, expliquez-nous. Chacun a son rôle pour la sécurité. D'abord, un garde-corps, personne ne le commande si ce n'est le président. Un garde-corps approché du président de la République. Personne ne le commande. Je vous donne un exemple. Le président est là. Quelqu'un, une autorité rentre. Toi, tu viens. Non, mais tu le fous du président. Toi, vous regardez le président. Makambo, il était chargé d'opération du président de la République. Mais il n'était pas le commandant de Marseille. Monsieur le commandant Marseille, capitaine, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte que le président est sorti. Vous cherchez à le rejoindre. Vous venez trouver son dispositif. Qu'est-ce que vous faites? C'est ce qu'il faut expliquer. Qu'est-ce que vous devez faire? Son dispositif. Oui. Ben moi, vous avez vu le dispositif au pont de Madina. Vous avez dit que le dispositif est à continuer vers la ville. Vous avez pris vers Farmaguiné, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes venu garer à 80 mètres du stade. Oui. Le dispositif, selon vous, était sur place. Oui. Quel devait être votre rôle? Quel est votre devoir pour protéger le capitaine Dadis? Qu'est-ce que vous devriez faire? Mais le dispositif là ne m'appartient pas. Alors là, je ne comprends plus rien. Non, comprenez. Vous devez vous joindre au dispositif pour protéger le secret, pour protéger le président, oui ou non? S'il vous plaît. L'organigramme d'un dispositif, c'est... Ça dépend de ceux dont il organise. Ce n'est pas la manière dont vous voulez qualifier. Marcel est venu trouver, il va se lancer avec ces hommes-là. Non. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ce n'est pas mes hommes. Alors, pas moi qui les commande. Alors, comment vous comptiez-vous assurer la sécurité du président? Comment vous vous comptiez le faire? Mais quand je suis auprès de lui, je l'assume, sa sécurité. Très bien. On va continuer. Là également, il y a une zone d'ombre. Et avant d'aller au stade, vous dites, puisque c'est pour aller protéger le président, je file au stade. Est-ce que vous étiez armé? Oui, j'étais armé. Vous avez une grenade? Oui, j'ai une arme. Très bien. À part la grenade, est-ce que vous aviez un fusil? Fusil? Oui. Non, mon père Maka était à la présidence. Très bien. Et vous partez protéger un président. Et s'il y avait eu de coups de feu, quel aurait été votre rôle? Mais on le protège. Il y a plusieurs manières de protéger le président sans arme. Ah bon? Il y a une formation pour ça. Très bien. Donc, on peut se livrer même pour le président.
Mais est-ce qu'il n'est pas mieux de se protéger soi-même avec une arme? Oui, celui, moi je suis protégé. Ah d'accord, très bien. Donc vous n'avez pas besoin d'armes, à part la grippe. À chaque fois, moi je ne prends pas d'armes à chaque moment. Merci infiniment. Vous rentrez au stade. Est-ce que vous avez échangé avec un quelconque membre de la garde présidentielle pour vous rassurer que le président était à l'intérieur? Est-ce que vous avez parlé à quelqu'un? Je n'avais pas le temps là. Vous n'avez pas le temps? Oui. Vous êtes rentré, pourquoi faire alors? Moi je suis rentré, je pensais que le président est attaqué. À quel moment vous êtes rendu compte qu'il n'est pas attaqué? Dès que je suis rentré, c'est mon commandant que j'ai vu. Il est en train de bagarrer. C'est lui-même qui m'a tendu tête. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, vous rentrez pour rechercher le président Dadis et je trouve le contraire. Vous trouvez que le commandant Toumba est en train de se battre avec des militaires, oui, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, je vous ai dit que je me suis mis dans la bataille. Est-ce que vous vous êtes joint au commandant Toumba pour frapper les autres? Bien sûr, vous savez, le commandant Toumba ne m'a pas vu à temps. C'était la toïboïde. Ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est un fait. Mais, permettez-moi de vous dire que le commandant Toumba, ici à cette barre, a dit que c'est quand vous êtes arrivé que vos éléments ont commencé à tirer. Non. Est-ce qu'il y a une quelconque chance qu'il vous confonde à quelqu'un d'autre? Vous, ça, Marcel? Peut-être ça, c'est... Bon, le verbe... En tout cas, tout moi. Donc, peut-être il va revenir. En tout cas, même, c'est pas moi. Ce n'est pas vous? C'est pas moi. Donc, il vous a confondu à quelqu'un? Non, ça c'est clair. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? Je sais pas, mais tout moi, depuis soldat. Depuis soldat? C'était en quelle année? Ils ont passé le grade avant nous. Oui, mais c'était en quelle année? 2006. Hein? 2006. Est-ce que vous, commandant Toumba, pouvez vous confondre à un soldat? Oui, me confondre. Très bien. Je peux vous confondre. Non, non, on ne se connaît pas. Vous pouvez me confondre à quelqu'un. Bien sûr, je peux vous confondre. On ne se connaît pas. Moi, je vous connais maintenant. Ne prenez pas l'exemple sur l'avocat. Pas de discussion, s'il vous plaît, entre vous. Mais il ne doit pas prendre l'exemple sur moi. Allez-y avec la question. Ce n'est pas un mauvais exemple, il a pris. Voilà. Je vais poursuivre. Commandant Toumba dit à Madina que c'est votre dispositif qui était là-bas. Ensuite, il dit au stade, ce sont vos éléments qui ont tiré. Deux aspects fondamentaux dans cette affaire. Et vous croyez sincèrement qu'on peut croire votre version ici? C'est la version du commandant Toumba et c'est ma version. Le tribunal peut apprécier. Entre vous deux, oui, ces deux versions sont contradictoires. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Bon. Très bien. On va continuer. Donc, vous êtes devenu, vous aussi, un sauveur. Vous avez sauvé qui au stade là-bas? Ne dites pas que je suis devenu un sauveur. Vous avez dit hier que vous êtes rentré, vous avez voulu sauver. J'ai contribué à la bonne marche pour que le commandant Toumba puisse sortir. Si c'est moi qui commandais la troupe, Toumba n'est pas sorti. Je vous dis ça aujourd'hui. Quel est l'acte? Si c'est moi qui commandais cette troupe, Toumba n'est pas sorti avec les leaders. Qu'est-ce que vous auriez fait? Mais je l'ai dit. Comment? Je donne les ordres et je dis que je suis un militaire avant tout. Est-ce que c'est pas ce que vous avez fait? Non. Si je faisais ça, Toumba n'est pas sorti. Il est sorti avec tous les leaders. Hein? Presque. Il a dit. C'est grâce à moi, sous ma contribution, je me suis battu. Je me suis battu. Le commandant Toumba dit. Oui, le commandant Toumba dit. Marcel dit qu'il n'est pas associé à ça. D'accord. Marcel a plusieurs versions. Donc, ça aussi, il faut retenir. C'est important. Le tribunal appréciera les versions de Marcel. Bien entendu. Je ne vais pas insister sur ce qu'ont dit les partis civils, mais monsieur le président va me permettre de dire, François Lucien Nifal a déclaré à cette barre vous avoir vu personnellement asséner des coups à Sidi Touré. Là également, il vous a confondu à quelqu'un? D'abord, Lucien Nifal, je m'excuse, c'est un leader. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il m'a jamais connu. On s'est jamais associé. Moi, je ne sors pas à la télé.
Il ne peut pas me voir, je dis c'est Marcel. Je vous ai expliqué les conditions à laquelle il est en train de me confondre. Et il dit que même dehors, j'ai frappé Sylvia. Donc ça veut dire que j'étais sorti dehors. Parce que la voiture de Toumba était peut-être garée dehors, parce que je n'ai pas vu sa voiture. Il n'est pas rentré avant que sa voiture dans le stade. Alors si je suis sorti dehors, je vais encore rentrer au stade pour être avec Toumba à la clinique. Non, c'est des paroles, il faut que c'est contradictoire. Monsieur Marcel. C'est ça. Monsieur Marcel. Et que moi j'avais une matraque. Matraque où? Qui m'a doté avec ça? Je vais prendre ça où? Et je ne suis pas un policier, ni un gendarme pour avoir matraque. Moi je prends une matraque. Alors je ne suis plus formé. Pour l'instant, il y a encore une zone d'ombre à ce niveau. On va continuer encore. Parlant du colonel Thieboro, vous avez dû l'avoir rencontré à l'enceinte du stade, oui ou non? J'ai déjà répondu à ça. Très bien. Est-ce que vous avez vu ces agents porter des loups d'Alain ou aux autres manifestants? Bon, je l'ai vu. J'ai vu quand même les gens. Bon, au moment que je venais, j'avais fini quand même sur lui. Hein. C'est quand il était au dos maintenant que j'ai remarqué ça. Très bien. Et à cet instant-là, quand ils étaient en train de molester ces loups, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Bon, j'étais en position de sortie. Comme j'ai vu qu'il est sur le dos de quelqu'un, il ne faut pas déranger. Il faut pas. C'est-à-dire, il faut savoir agir à autant voulu pour sauver quelqu'un. Si tu te mets à faire des trucs là-bas et que quelque chose arrive à cet homme, on dit que c'est toi. Comme j'étais à la porte de sortie, j'ai dit Dieu merci. Mais tu prends, je vais l'arrêter. Vous avez parlé de 15 minutes environ de votre rentrée à la sortie. J'ai pas duré. Mais à l'échelle des massacres, c'est long. Mais moi, je n'étais pas là. C'est tout ce que vous analysez. Je n'étais pas là. Tout le reste là, nous. Mais c'est clair. Comment que je peux être à la clinique avec Toumba? Toumba n'a pas fait. J'ai pas parlé de clinique. Mais c'est ça, je veux vous dire maintenant. Il faut que vous compreniez. Comment je peux rester au stade et je sois avec à la clinique et assister aux massacres qui se sont effectués? Monsieur Marcel, s'il vous plaît. Mais c'est ça. Vous avez dit ici publiquement, devant tout le monde, hein, oui, que vous avez fait environ 15 minutes à l'intérieur du stade. C'est pas ce que vous avez dit? Je n'ai pas dit j'ai fait maximum 15. Je n'ai pas dit, j'ai dit que j'ai fait au moins 15 minutes. C'est la même chose. Non, le mot maximum. Donc au moins, vous avez dit au moins. Très bien, moi je prends au moins. Donc vous avez fait au minimum 15 minutes. Est-ce que vous confirmez ça? Je vous écoute. C'est vous qui répondez aux questions. Ah, mais j'ai déjà dit ça. Entre 15 minutes maximum et 15 minutes minimum. Je n'ai pas fait plus de 15 minutes au stade. Donc on est d'accord que c'est 15 minutes maximum. On est d'accord sur le mot? Si vous voulez. Très bien. Et pendant 15 minutes, vous étiez à l'enceinte du stade. Vous n'avez empêché personne d'être frappé. C'est vous qui le dites. Vous avez empêché qui d'être frappé? Bien sûr. Qui? Ce qui m'a retardé même, je ne suis pas sorti avec Toumba, c'est ça. Vous avez empêché qui d'être frappé? Depuis le premier jour, le lundi, je vous ai expliqué que lorsque Toumba est sorti avec ses leaders, je me suis senti isolé. Parce que ces personnages qui étaient devant moi, si c'est moi qui les commandais, ou bien je les connaissais, j'allais faire quelque chose de ma personne. Mais je me suis dit, c'est qui? Ça, c'est des fractions de seconde. Le militaire, c'est la réflexion secondaire. Immédiate que tu puisses comprendre où tu es, comment est-ce que je dois faire, où aller. Monsieur Marcel, On va circonscrire les débats. C'est important. Pendant 15 minutes. Vous dites 15 minutes, c'est rien. Mais, je peux poursuivre? Vous savez, nous, on n'a pas de montre pour fixer. C'est-à-dire, on n'a pas. Quand on dit qu'on n'a pas fait plus de 15 minutes, c'est-à-dire, non, je n'ai pas duré. C'est ça, c'est un mot qu'il ne faut pas prendre le temps, comme vous voulez mettre une minute, deux minutes, trois minutes. On n'a pas duré, on n'a pas chronométré. Mais on n'a pas fait. C'est spontané, quoi. Très bien. Parmi les leaders, à qui vous avez porté assistance? Pour être simple, alors. Puisque vous vous êtes senti peut-être responsable. Tous les leaders, moi, j'ai fait mon mieux. Qui, même si on ne me félicite pas, mais j'ai fait mon mieux à ma façon militaire.
On peut citer qui? Normalement, je n'ai rien à citer quelqu'un. D'accord, très bien. On va aucun leader n'est mort au stade. Et c'est grâce à vous? Non, mais aucun leader n'est mort. Hein. C'est grâce à vous? Si un leader mourait, là, on pouvait parler. Mais un leader n'est pas mort au stade. Très bien. On retient que il y a deux versions contradictoires entre vous et le commandant Toumba sur ces faits. On va continuer, peut-être aller à la clinique. Est-ce que vous croyez qu'il est logique pour vous de soutenir que vous étiez à la clinique pour arrêter le colonel Tchéboro? Vous pensez que c'est logique? Logique? Oui. C'est moi qui ai décidé, c'est logique. Très bien. Et vous étiez avec combien de personnes? Non, moi je n'étais pas avec quelqu'un. Le colonel Tchéboro était accompagné de combien d'agents environ? Bon, est-ce qu'ils étaient nombreux? Je ne peux pas nombrer, je ne peux pas donner le nombre. Je n'ai pas même cherché à connaître il est avec combien. Je n'ai pas compté. Vous n'avez pas compté? Mais il était accompagné de plusieurs hommes quand même. Quelques hommes. Est-ce qu'il n'était pas plus logique d'arrêter le colonel Tchéboro, demander de l'aide au stade, que d'aller l'arrêter non, à la clinique? Non, mais ça c'est la toïboïde. Ça c'est pas militaire. Mais les civils vont prendre les conséquences. Faire arrêter un chef militaire devant ses hommes dans la foule pareille, mais c'est de créer encore l'incident le plus grand. Très bien. Donc, vous partez à la clinique, comme par hasard, vous sortez une grenade. C'est pas par hasard. Les leaders qui étaient conduits à la clinique étaient là-bas pour des soins, n'est-ce pas? Ou bien vous ne le saviez pas? D'abord, je vais vous dire, les leaders ne sont même pas descendus de la voiture. Même le commandant Toumba n'est pas descendu de la voiture. C'est pour vous dire qu'on n'a pas duré au stade. Oh? C'est pour dire que on n'a pas duré au stade. Moi, je parle de le la clinique. Le commandant Toumba a dit qu'il a fait ça à l'air pour arriver à la clinique. La clinique ambroise au stade, c'est combien de kilos? Ça fait pas assez de kilos. Moi, je parle non, je de la clinique. Je suis en train de vous expliquer maintenant. Très bien, allez-y. Si vous voulez comprendre, arriver à la clinique, moi, je ne savais même pas si c'est à la clinique. Je ne savais pas. Ça, mon fort étonnement, j'ai trouvé la jupe du commandant garée. Les leaders qui étaient dedans, je n'ai même pas regardé. C'est quel leader qui est dedans. Dès que Tchéboro est descendu, je l'ai menacé. Je dis, vous avez trahi, vous êtes des traîtres. Vous avez trahi, vous avez gâté le pouvoir. Voilà ce que vous voudrez faire. C'est ainsi que, quand le commandant Toumba a constaté ça, il est descendu en vitesse vers moi. Vous savez, quand un soldat, quand un militaire a une grenade, si tu n'as pas confiance en lui, tu ne peux pas t'approcher. Il est venu vers moi. Il m'a dit, mais c'est à quoi? J'ai dit non. Mais il a oublié. Comment Toumba, c'est un être humain, il peut oublier. S'il vous plaît. Écoute, si tu mets ces gens-là, c'est ma parole. Si tu mets ces gens-là ici, ce que j'ai vu, ils vont venir les fêtes du bal et on va prendre la responsabilité. Surtout toi. Envoie-les dans un lieu sûr. C'est ce qui a fait sauver les leaders. Les envoie à la gendarmerie. Et que la gendarmerie les convoie dans une autre clinique. C'est ce qui a fait de la sécurité. Tu viens, tu déposes les gens, tu quittes. Qui va les rendre la sécurité? Est-ce que je peux poursuivre mes questions? Je continue. Merci. Dites-moi, entre vous qui étaient seuls dans votre véhicule selon votre version, oui, et ceux qui ont conduit les leaders à la clinique, lequel d'entre vous a tenté de sauver les leaders? Moi, j'ai sauvé. Vous avez sauvé qui? J'ai sauvé la stratégie où vous parlez aujourd'hui. C'est les faits. C'est le mouvement qui donne l'analyse. Ce que tu vois, c'est dans ça, les conséquences qui viendront après de ça. C'est ce qui fait. Mais les leaders ont été sauvés. Ceux qui ont conduit les leaders à la clinique disent que c'est vous plutôt qui étiez une menace pour les leaders. Non, ça c'est les analyses formelles, la peur, compréhension, non-compréhension. Moi, je ne suis pas un fou pour exploser une clinique. Même dans la guerre, on n'explose pas une clinique. Si tu le fais, c'est condamné. C'est ça, la tête. Donc, sans l'intervention de Toumba, est-ce que vous seriez
amené à faire exploser cette grenade. Non. C'était une menace. Non, je ne peux pas. Non. D'abord, je l'ai fait instantanément parce qu'ils étaient, ils ont pris couteau contre moi. Voilà, il faut se défendre. Quand j'ai fait, ils ont replié. Rapidement. Ils ont eu. Mais quand on fait sortir grenade dans un lieu, tout le monde va fuir. Monsieur Marcel, est-ce que vous savez que même les médecins qui étaient dans cette clinique les médecins ont eu peur? S'il vous plaît, suivez la question. Ces médecins-là disent que, effectivement, un militaire a menacé de faire exploser la clinique. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça c'est leur analyse. Très bien, on va continuer. Le tribunal qui est là appréciera. Parce qu'apparemment... Le tribunal va apprécier. Apparemment, c'est le même Marcel qui est à cette barre. Apparemment. C'est très important. Mais le tribunal, apparemment, j'ai reconnu... On va continuer, s'il vous plaît. C'est moi qui ai fait sortir la grenade s'il vous plaît. À la clinique Amroa. S'il vous plaît. Pas pour exploser une grenade. S'il vous plaît. Contre la clinique. S'il vous plaît. Le tribunal appréciera. On a dépassé ce cap. Voilà. On va continuer. Monsieur le procureur vous a posé une question également sur CC Raphaël Haba. Et vous avez dit que vous étiez d'abord que c'est vous qui avez présenté CC au capitaine Dandis, n'est-ce pas? J'ai déjà parlé ça. Très bien. Vous êtes un ami de CC Haba, n'est-ce pas? Alors pourquoi lui viendrait à cette barre soutenir que c'est vous qui avez tenté de l'assassiner? Pourquoi? Assassiné, on n'est pas sur ça, on est sur l'affaire du 28 septembre. Ça, c'est le 3 décembre. L'une des conséquences du 28 septembre. Non, c'est le 3 décembre. Allons-y au 28 septembre, parce que vous ne voulez pas que je vous parle. Allons maintenant au 28 septembre. 3 décembre, on n'est pas sur le jugement là. S'il vous plaît. Je ne réponds pas à cette question. Très bien. Ça c'est votre droit le plus absolu. Quand vous dites que vous n'étiez plus en ordre de sainteté avec le capitaine Dandis, des questions se posent. Puisque vous étiez dans le dispositif de répression après sa tentative d'assassinat. Non. Ça, c'est selon vous. Vous avez des preuves? Très bien. On va continuer. On va continuer, monsieur Marcel. Parce que vous savez, ça a bien commencé avec le récit sur le capitaine Dandis. Vous avez confirmé tout ce que Toumba a dit. Mais vous, personnellement, pourquoi vous ne voulez pas aider le tribunal et dire exactement ce que vous avez fait? Pourquoi? Vous dites, je n'ai pas bien saisi. Votre récit, votre deuxième passage à cette barre, la seule différence, c'est concernant le capitaine Dandis. Le reste est devenu insensé. Pourquoi? Ah, parce que je ne suis mêlé à rien. Vous voulez que je reconnaisse quelque chose que j'ai fait? Non. Non, c'est ce que vous voulez. C'est de reconnaître les faits. Non, mais reconnaître les faits, c'est ce que tu as fait. Voilà. Mais dites-moi. Tu n'as pas fait, tu vas mettre ça sous ta tête. Pour terminer, est-ce que il y a eu des antécédents entre vous et le commandant Toumba? Moi et Toumba, il n'y a aucun antécédent. Hey, la vie là, l'être humain, même avec ta femme, tu peux discuter. Oui. Même avec ta fille, ton enfant, tu peux dire, papa, laisse-moi. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas ta fille. Alors? Il n'y a jamais eu d'antécédent entre moi et Toumba. Très bien. Merci, monsieur Marcel. Moi, alors, je ne considère pas ces petites analyses. Alors, pourquoi, dans son procès verbal, et au cours de son interrogatoire ici, il a confirmé que c'est vous qui étiez à la tête du contingent qui allait massacrer au stade. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Ah, ça c'est clair. Très bien. Il s'est trompé à deux fois, à deux reprises. Je dis qu'il s'est trompé. C'est vous très qui bien. Maintenant. Très bien. Donc, la version de Toumba n'est pas correcte en ce qui vous concerne. Non, ça c'est pas bon. Très bien. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de votre patience et passer la parole à mes confrères pour la suite. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal. Capitaine Marcel Guilavogui, vous confirmez que vous êtes un militaire bien formé? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Vous confirmez que vous étiez dans la garde rapprochée du président Dandis Camara? Oui. Donc, votre rôle, c'était d'assurer sa sécurité. C'est bien ça. Avec quel matériel vous assurez sa sécurité?
Avec quel matériel? Oui. C'est la formation. Oui. Avec les mains, avec une arme. On peut garder le président sans arme. Non, oui, mais je veux savoir, dans le cadre précis du capitaine Dadis Camara, est-ce que vous avez une arme de dotation pour assurer sa sécurité? Mais on a été doté, j'ai été doté d'une arme. Vous avez dit à une question de maître Desba que si c'est vous qui commandiez les bérets rouges au stade et que si vous donniez des ordres, ils auraient respecté. C'est bien ça? Mais l'armée, c'est ça? Non. Si tu commandes une troupe, mais quand tu donnes l'ordre, ils vont l'exécuter. Est-ce que vous commandez certaines personnes depuis l'avènement du non, du capitaine Dadis au pouvoir? Non, je n'étais pas dans le commandement. Sur la réunion, vous avez dit que c'est une entrevue avant l'ouverture de ce procès avec le commandant Toumba Diakité et CC Raphaël. N'avez-vous pas dit que même s'il y avait un chat, vous ne direz pas la vérité? Ça, c'est leur commentaire. Moi, je n'ai pas dit. J'ai dit, allez-y, nous sommes devant le tribunal. Que chacun dise sa vérité. C'est tout. Donc, sur ce point, le commandant Toumba Diakité n'a pas dit la vérité. Non, pas parce qu'il n'a pas dit la vérité. Je les ai dit, c'est ce que je vous dis. C'est vous qui vous connaissez maintenant s'il a dit vérité ou pas. Merci. Vous confirmez qu'entre le commandant Toumba Diakité, Abaka Diakité et vous, il n'y a pas de problème. Vous confirmez? À mon niveau, il n'y a pas de problème. Donc, selon vous, il n'a aucune raison de mentir sur vous? Ah, je ne sais pas. Non, selon vous. Je veux votre avis. Il peut avoir menti sur vous, mais votre avis. Je n'ai pas de réponse pour cette question. Merci. Vous avez dit le matin du 28 septembre, vous étiez en train de promener votre père. Dans quelle tenue étiez-vous au moment où vous promenez votre père? Est-ce dans votre tenue militaire ou vous étiez dans une autre tenue? Moi, si ce n'est pas le dimanche, peut-être même le dimanche sauf le soir, hein, je suis toujours en tenue. Ok. La tenue que vous avez portée pour aller au stade, c'est la tenue que vous aviez avec moi le matin, voir le président dans sa chambre, la façon dont il était agité. C'est la même tenue qui est restée avec moi, je suis allé au domicile. Donc quand vous partiez chez le président, vous avez votre grenade sur vous? Bien sûr. Donc vous avez toujours une grenade? Non, mais moi je marche avec ça. Ce n'est pas un crime. Non, je ne vous reproche pas d'avoir une grenade. C'est qui fait le mal. Nous on marche avec ça. C'est notre nourriture. Mais vous ne marchez pas avec votre arme de dotation, c'est bien ça? Non, l'arme de dotation, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. On peut le prendre. Quand vous prenez, par exemple, vous voyez que vous partez dans un lieu qui est trop suspect, comme ça. Prenez ça. Si il ne faut pas, tu ne prends pas. Ok. Les personnes que vous avez vues en tenue Chelsea, selon vous, d'où provenaient-elles? Ah, ça, c'est les soldats. C'est les soldats du Kalea. Les soldats du Kalea. C'est les soldats. Ça, c'est... Ils étaient en tenue. On ne peut pas utiliser des civils pareils comme ça dans la situation. C'est les soldats. Ça, c'est clair. Il ne faut même pas contrôler autour du. Donc, vous confirmez que c'était parmi. Ceux-là étaient armés aussi. Bien sûr. Vous refutez que. Ce que le commandant Toumba a dit concernant la clinique, que vous avez menacé d'utiliser la grenade. Est-ce que vous refutez ces propos du commandant Toumba? Il n'a pas compris. Mais maintenant, il est là. Peut-être avec mon passage, il a compris. Mais il était proche de vous. Non. Est-ce qu'il y avait une grande distance entre vous? Il n'est pas proche. Il était dans sa jupe. Il n'est pas descendu. C'est lorsqu'il m'a vu agir contre Bro, il est descendu. Oui, il m'a dit s'il y a deux. Mais quand il est descendu, il était loin de vous ou proche de vous? Approché. Il s'est approché de vous. Oui. Et vous? Il est en position de menace d'une clinique. Si un corps étranger ou bien même son ami qui s'approche, il va dire non, il ne s'approche pas. Là, c'est clair. Mais votre menace, ce n'était. Est-ce que c'était de menacer la clinique
ou bien est-ce que ce n'était pas pour menacer, pour ne pas que les leaders soient soignés non, dans cette clinique? Non, ce n'était pas mon intention. Donc le commandant Toumba a mal apprécié. Non, il est là comme il est assis, il écoute, Dieu merci, il a compris et je sais que l'esprit va le ramener à la raison. Vous aviez dit que si les leaders avaient été déposés à cette clinique-là, ils seraient attaqués. Vous confirmez-vous cela? Ça c'est clair. Par qui? Par les infiltrés. Mais comment vous le savez? Parce que ce que j'ai vu, moi-même, ça m'a étonné. Vous avez dit, vous n'avez participé à aucune réunion. Ça m'a étonné. Donc vous ne connaissez pas les intentions des uns et des autres. Comment vous pouvez affirmer, sur le coup, que si les leaders étaient déposés à cette clinique, ils seraient attaqués? Le mouvement que j'ai vu, quand vous mettez quelqu'un dans un lieu, il faut le garder. Toumba est là, il n'a pas d'homme. Je suis là, je suis seul. Donc vous supposez qu'il serait attaqué? S'il vous plaît. Oui, allez-y. Votre mentalité d'expérience militaire n'est pas que celle de moi. Je n'ai aucune expérience. Tu viens tout de suite ici, tu vas fuir. Et moi, je ne vais pas fuir. Oui. Et c'est ce que je dois faire. Ce que je dois faire. Donc le militaire, c'est ça. Le militaire est formé à tout temps et à tout moment pour examiner toutes choses et donner une solution en même temps. Donc selon votre compréhension, moi, la clinique allait être attaquée. Ainsi, c'est pourquoi j'ai agi comme ça. Ce n'est pas votre analyse. Vous avez dit avoir suivi le commandant Toumba Diakité jusqu'au camp de gendarmerie. Vous confirmez? Très bien. Vous n'avez pas pu le rattraper? Non, mais on est rentré à la gendarmerie. Il a garé, j'ai garé. Vous lui avez adressé la parole là-bas? Je suis bien. Il a garé, j'ai garé. Et il est venu, il a dépouillé le leader, il est rentré dedans. Nous, on n'a pas besoin de parole. Nous, on est militaire. C'est tout parce que Marcel est derrière lui. Mais tout m'a dit comprenez-moi, que... Comprenez-moi, il n'y a pas d'incident entre moi. Tout m'a dit que je le sache pour le tuer ou bien pour le menacer. Non, non. Tout m'a dit que c'est son Simonone qui est derrière lui. Vous avez bien écouté Toumba ici. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment que Toumba disait que vous étiez en train de le poursuivre parce qu'il était en train de sauver les leaders? Non. Vous n'avez pas eu ce sentiment-là? Non. Je n'ai fait aucune menace à la Mais quand le commandant Toumba vous dit que vous tiriez sur les gens, c'est vous qui dirigez les bérets rouges qui étaient au stade, est-ce que vous pensez qu'au moment où il était en train de sauver les leaders, vous considérez comme un ami? Non, Toumba. C'est vous qui analysez comme ça. Donc pour vous, lorsque le commandant Diakité Abouaka vous a vu, il vous a pris comme ami. Mais il est là. Non, mais il c'est. Mais non, il est là. C'est pas pour moi, il a dit ami. C'est mon chef direct. Mais est-ce que ce jour-là, il vous a donné un seul ordre? Je n'ai plus de réponse pour cette question. Merci. Vous êtes retourné au camp Alpha Yaya. C'est bien ça? Après que le commandant Diakité ait déposé les leaders à la gendarmerie, vous êtes retourné au camp Alpha Yaya, c'est bien ça? On est rentré direct au camp. Est-ce que vous avez échangé avec votre chef quand vous êtes rentré au camp? Et tout le monde, on est ensemble. Il est à la première étage, le premier étage. Juste. Moi, au deuxième. Est-ce que vous avez échangé? Non, moi, on n'a pas échangé, hein. Chacun est rentré dans son chacun. Donc vous venez de vivre des événements si terribles au stade. C'est après. Avec tout ça. C'est après, on est revenu, on était déjà avec Toumba. Et vous avez expliqué au commandant Diakité pourquoi vous êtes arrivé au stade. Lorsque vous êtes retrouvé au camp, vous dites que plus tard vous avez échangé. Est-ce que vous lui avez expliqué comment vous êtes arrivé au stade? D'abord, on n'est pas rentré. Moi et Toumba, on n'a jamais parlé du problème du 28 septembre. On était tous frustrés à la présidence de l'attitude de ce qui s'est passé. Je crois qu'il y avait un moment donné, on disait enquête, on dit la CPI doit faire l'enquête.
Je mangeais, j'étais dans sa chambre, Tumba, je mangeais, la fini. Oui. S'il y avait un problème entre nous, mais. Non. Attendez, s'il vous plaît. Allez-y. Moi et Tumba, on a jamais causé de 28 septembre. Parce que tout est clair. Il n'est pas associé, je ne suis pas associé, on n'a pas parlé. Mais comment vous savez que le commandant Diakité Abubakar n'est pas associé si vous oui, n'avez jamais parlé? Il n'est pas associé. Comment vous le savez? Ouais, parce que vu le mouvement de sa mission, du stade jusqu'à la clinique, on est rentré jusqu'au camp. S'il était accompagné d'un groupe, j'allais le dire. Donc vous êtes militaire bien formé. Vous vivez une expérience que certainement la Guinée n'avait jamais vécue. Vous retournez au camp, vous êtes avec votre chef, vous ne revenez pas du tout sur ces événements-là. C'est bien ça? Non, mais on n'a pas parlé de ça. Ou bien vous voulez que je vous dise oui? Est-ce que ce n'est pas parce que vous saviez tout ce qui avait été préparé, tout ce qui avait été exécuté? Non, ça c'est votre analyse. Je n'ai pas encore fini ma question. Non. Attendez la question. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que vous savez ce qui a été planifié, exécuté, que vous n'avez plus besoin d'en parler parce que vous savez tout? Non, ça c'est selon vous. La rédaction, chacun fait sa rédaction sur la manière, chacun a sa phrase. Est-ce que jusqu'au 28 septembre, on pouvait considérer que le capitaine Dadis Camara avait l'effectivité du pouvoir en Guinée? Reprenez votre... Est-ce que jusqu'au 28 septembre, on peut affirmer que le capitaine Dadis Camara, le chef de l'État, avait le pouvoir et c'est lui qui décidait? Toi, j'étais à la présidence. C'était un pouvoir de transition militaire. Donc, s'il voulait, il pouvait faire arrêter tout. Mais... Le pouvoir, le président de la République, quand il décide quelque chose, ça se fait. Le capitaine Dadis Camara ici a dit qu'il y avait un complot contre lui. Avez-vous entendu parler de ce complot? Quel complot? Un complot qui serait organisé par le général Sekouba Konaté. Non, le général Lazi, c'est ça. Non. Ça c'est le folklore. Donc vous n'avez jamais entendu parler de ça? Non. Le général Sekouba Konaté, je vous dis, écoutez, nous sommes Guinéens. Que ce procès prend fin maintenant. Cessons de tourner autour du pot. Laissez Sekouba Konaté, le général. Si c'était lui-même qui était responsable de ça, on n'allait même pas être là. Ok? On n'allait pas être là. Merci, maître. Ok. On n'allait pas être là. Okay. C'est un vrai militaire. Il allait dire tout simplement. Hey, laissez les enfants là, je suis responsable. Okay. C'est ça le soldat. Vous confirmez qu'au 28 septembre 2009 au matin, le chef de l'État, le capitaine Dadis Camara, a clairement dit que le colonel de et il lui raconte. Le colonel de Boulou ne peut pas aller au stade sans le prix. Il a dit. Okay, c'est sorti de sa bouche. Donc vous confirmez. Je confirme. Donc cela suppose que c'est lui qui l'y a envoyé. Preuve, la preuve, consultez le PV du colonel Pivi. Et donc, c'est lui qui l'y a envoyé. Il a dit. Okay. Le colonel Pivi, tout le monde ne parle au stade sans l'avis du président. Dans ce sens. Okay. Vous confirmez que la journée du 27 septembre 2009, le chef de l'État, le capitaine Dadis Camara, était à Conakry. C'est cela que je vous dis que il faut être militaire. Le militaire, ce n'est pas la tenue, c'est le courage. Donc vous confirmez. Mais il était là. Moi-même, j'ai assisté à la réception de mes parents Thomas à la présidence, devant le général Sekouba Konaté, devant le commandant Tumba. Et ils m'ont forcé de sortir. Parce que c'est mes parents. Donc il n'est pas rentré. Merci, le général Sekouba Konaté à Conakry. Donc il était avec Alabi, avec son président. Donc Tumba est là, aide du camp qui était avec lui à Alabi. Donc où est le président? Donc il n'est pas rentré tard dans la nuit du 27 ou 28. Il était à Conakry 5h moins du 27.
Ok. Donc toute la journée du 27, il a bien passé à côté. Toute la journée. Ce qui voudrait dire, selon vous, que s'il avait voulu prendre des dispositions pour rencontrer ou échanger avec le leader, il aurait pu le faire dans la journée. Mais c'est ça là, le dialogue. Il faut dialoguer. Même entre toi et ta femme, il peut discuter. Mais quand vous dialoguez, vous pouvez trouver la solution. Il faut mettre le dialogue en place. C'est ça. Le pouvoir, c'est pas tu décides ce que tu veux. C'est le peuple, avant tout, que tu gères. On va arriver au colonel Tiboro Camara. Vous avez affirmé vouloir l'arrêter. Pensez-vous qu'avec une grenade, vous pouvez l'arrêter? Ah, mais bien sûr. Tiboro ne peut pas, je peux l'arrêter. Même tout à l'heure, je peux l'arrêter. Avez-vous des menottes? Ah, menottes, j'ai des menottes. Vous aviez des menottes? Nous sommes formés pour ça. Je peux t'enlever tes cotes, je te mets, je t'attache sans corde. C'est un colonel. Mais c'est un colonel, mais ce qu'il est en train de faire n'est pas colonel. Pensez-vous qu'il n'est pas bien formé? Mais ça, tant pis pour sa formation, j'ai confiance en ma formation. Ok. Avec ces éléments, vous pensez qu'avec un grenade, vous pouvez l'arrêter? Ça, c'est des enfants. Est-ce que ce n'est pas parce que les témoins, y compris le colonel Tiboro Camara, le commandant Diakité Aboubakar, et des victimes ont dit qu'ils vous ont vu au stade et qu'ils vous ont vu à la clinique, qu'aujourd'hui, vous expliquez effectivement que vous étiez au stade, que vous étiez à la clinique, parce que, au groupe, est-ce que ce n'est pas parce qu'on vous a vu à ces endroits qu'aujourd'hui, vous êtes venu reconnaître? Non. Je vous ai dit qu'un militaire doit être stratège. Est-ce que vous comprenez? Machiavel dit, si quelqu'un est plus fort que toi, il faut le piéger. Ce groupe qui est venu nous trouver en prison, j'ai vu leur intention dès les premiers arrivés. Moi, je me suis déplacé pour aller saluer le président Dadis. Il m'a refoulé. La cellule où j'étais un peu à l'aise. Raison à laquelle on m'a fait rentrer dans le couloir sur les bandits. Jusqu'au début du procès. Tiboro a passé. Il a fait sa narration. J'ai gardé le sang-froid. L'esprit qui est venu à moi, continue sur ton procès verbal parce que il y a quelque chose qui t'attend. Si tu donnes ta vraie version, le clan Machiavel va détruire. C'est pourquoi je suis sorti avec Sata 2. Ok. Ma dernière question. Est-ce que, donc, selon vous, tout ce que le commandant Toumba Diakité a dit vous concernant vos propos à la clinique, qu'il vous a vu au stade et que vous avez vu dans un dispositif, cela est faux, mais le reste est vrai. Est-ce que c'est celui-là? J'ai fini de répondre à cette question. Je n'ai pas de réponse maintenant pour ça. Merci, mon capitaine. J'ai donné ma version. Merci, mon capitaine. Merci, monsieur le président. Honorable assesseur. Capitaine Marcel Guilavogué, je vous remercie pour votre second passage et votre courage pour avoir décidé de dire la vérité au peuple de Guinée. Vous avez dit ici que vous êtes un stratège. Est-ce que votre stratégie a consisté à nier tout pour découvrir le visage de chacun des accusés? Pas pour nier tout. Le départ, je vous ai dit à la gendarmerie, il faut être devant les faits. C'est ça. C'est l'explication. Mais le fait réel, la torture, quand on dit torture, tu ne sens pas la douleur. Mais quand on te torture, c'est ça que tu vas comprendre, c'est la vraie torture. Si je disais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est moi qui ressens. C'est l'esprit. On allait me tuer. C'était fini pour Marcel. Donc j'ai fait un procès verbal, je suis resté calme.
Durant des années, nous on ne pensait même pas si le procès allait être lieu. D'accord. Vous avez présenté des excuses au parti civil et au tribunal. Pourquoi? Moi, j'ai demandé excuses. Vous vous reprochez de quelque chose? Non, je doute pas. Dans cet événement du 28 septembre. Demander pardon et demander excuses est différent. Je n'ai pas demandé pardon pour le cas du 28 septembre. Mais ma façon d'agir au niveau du procès, certains ne vont pas comprendre si je n'explique pas. Si je ne vous expliquais pas ma stratégie, vous n'allez pas comprendre. Voilà. Donc, si je sortais aujourd'hui, le premier jour, je livrais ça. Le clan, bon, je ne sais pas comment je vais nommer, ils allaient dérouler. Mais maintenant, il n'y a plus de balles. Donc, vous ne demandez pas pardon au parti civil pour ce malheureux événement? Non, demandez pardon. Vous savez, quand tu demandes pardon, tu te rends coupable. Ça, c'est le droit. D'accord. Vous avez dit ici que vous avez demandé au président Dadis d'assumer ce qu'il a planifié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il a planifié? J'ai déjà expliqué ça. Durant le lundi, mardi, on est au mercredi aujourd'hui, je crois que j'ai beaucoup expliqué. Non, c'est-à-dire, je veux parler des préparatifs, quoi. Non, moi, je n'ai pas assisté à ça. Moi, je ne pensais même pas s'il y a manifestation. Je ne sais pas au courant. Vous avez dit que si le président change de veste, il doit assumer sa responsabilité. Sa veste avant, c'était quoi? Mais la veste d'abord qu'il a, d'abord, est-ce qu'il a changé? C'est ça, c'est un homme, il ne faut pas le parler, il ne coupe pas. Est-ce que la veste d'avant consistait à organiser des élections libres et transparentes? Ah, là, il a changé. Voilà. Parce que même le discours, si vous n'allez pas, si vous n'êtes pas le vin, vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin, je veux ôter la tenue, je veux me présenter, ça c'est tentative. Les gens, les leaders politiques ne sont pas des fous, c'est des intellectuels. On voit ta vision. Si tu n'as pas besoin de quelque chose, dis je me présente pas. Tout court. Mais dès que tu dis je vais me prêter, les gens vont prendre les charges. Est-ce que cela veut dire que tout était prémédité par lui? Mais c'est ce que je dis. Vous êtes un vrai avocat. Des. Maître. Voici Des. Un père. Qui est Des? C'est lui. Okay. C'est vous êtes un vrai avocat. Alors vous ressemblez. Hein? Non, il y a un trait de ressemblance quand même. D'accord. C'est ça. Un père de famille organise sa famille. Si ses enfants ont faim, il donne à manger. S'ils sont malades, c'est lui qui les soigne. C'est comme un président de la République qui est président de la République. Voilà les titres. Chef de l'État. Premier magistrat. Chef suprême des armées. C'est pas donné à qui il veut. Comme tu es civil, tu es président, tu es chef de l'armée. Parce que c'est les armes qui détruisent. Donc il faut que tu sois chef de ces armes. Pour ne pas qu'il y ait destruction. C'est ça la responsabilité des chefs de l'État. Il commande toutes les armes. S'il a besoin de se recourir, mais il ordonne à qui il veut de recourir là. J'ai dû fuir à cette responsabilité. Alors il fallait dire que je n'étais pas président, j'étais chef de quartier. Est-ce que c'est pourquoi vous avez dit que le président Moussa Dadis Camara est au début, au milieu et à la fin de ce massacre du 28 septembre? En conclusion, c'est ça. Il n'y a même pas de demi-mesure. Est-ce que le début de ce massacre a consisté à la planification d'abord? Ah mais, s'il ne planifiait pas, je ne l'ai pas exécuté. Mais Marc, je n'ai pas assisté à une planification. Mais il faut planifier avant l'exécution. Est-ce que dans cette planification, il a utilisé le recrutement et la formation gens de Kalia? Non. Là, je suis formé. C'est ce que je vous dis. Un chef d'État
est commandant en chef des forces armées. Mmh. Il commande toutes les armes. S'il veut prendre les éléments à Yomou, il va les prendre. Il a les moyens. Est-ce que... Il a été pour le recrutement. Ça, c'est sans faute. Mais on les a utilisés au moment où ils n'avaient pas l'expérience d'agir dans une mission. C'est des bleus. Un soldat, quand il fait grader, tu le mets sur le soldat, tu es caporal, tout de suite. Mon frère, il peut marcher à pied jusqu'au calvaire, tellement il est content. D'accord. Mais quand il marche, les grades là, ça c'est drôle, mais. Dis donc, ils vont effacer ça. Le caporal, il commence à grandir. Les formations, CAT1, CAT2, BIA, ainsi de suite, les formations viennent. La commune de base simple, c'est quelqu'un qui a fait 2 mois. Quand tu l'envoies dans un lieu, mais il danse. Comme tu as mis des cancres dans lui. Mon capitaine, est-ce que vous savez que le chef d'état-major général des armées à l'époque a déclaré sur PV qu'il n'était pas informé de ce recrutement, qu'il n'avait pas participé? Est-ce que c'était possible si ce recrutement n'était pas clandestin? Ça, c'est à leur niveau. Est-ce que c'était possible? D'abord, puisque vous êtes un vrai militaire, est-ce que c'était possible? Bon, moi, ces langages-là, je ne peux pas répondre à ça à sa place. C'est un langage que lui. Parce qu'un chef d'état-major des armées qui s'exprime comme ça, c'est voilà l'une des trahisons. Tout a commencé là, ou bien? Non, ça, je ne peux pas répondre à ça. Je suis passé. Comment je peux répondre à ça? D'accord. Est-ce que ces recrues pouvaient venir à Conakry sans l'ordre du président Moussa Dadis Camara? Surtout à la présidence, ça ne pouvait pas être. Est-ce qu'elle pouvait être logée et entretenue à la présidence sans son ordre? Mais d'abord, il a son service secret. Est-ce que ces recrues pouvaient arborer la tenue des bérets rouges alors qu'elles ne sont pas bérets rouges, être dotées en armes sans l'ordre du capitaine Moussa Dadis? Non, ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas. Tu n'as pas l'audace. Si tu n'as pas été autorisé, les gens ne peuvent pas quitter des magasins pour la présidence, pour une dotation, pour une mission présidentielle, sans que le président de la République n'ait au courant. Ça, c'est logique. Merci. Tu ne peux pas tourner autour du pot de ça. Merci. Quel que soit tes grades, même le ministre de la Défense, s'il le fait, sans que le président ne donne l'autorisation, mais il prendra la responsabilité. Pour que ces recrues aillent au stade, il a fallu utiliser des bus de transport public. Là également, c'est le président qui a ordonné, oui ou non? Oui, moi j'ai entendu ça. Voilà. Quand il y avait les bus. Voilà. Je n'ai pas vu. Parce que ce que j'ai entendu, parce qu'il y a beaucoup de questions. Ce que j'ai entendu, je vais dire, j'ai entendu. Mais ce que j'ai vu, je vais dire, j'ai vu. C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas venu pour confirmer ou affirmer les dits de quelqu'un. Mais effectivement, quand tu fouilles, les gens sont partis dans les cars. Ils ne peuvent pas aller dans le pick-up. Parce que c'est les infiltrés. Voilà. Donc, vous confirmez qu'il n'y avait aucun civil parmi ceux-là qui ont massacré la population ce jour-là? Non. Là, je ne peux pas donner la clarté. Mais la majorité des infiltrés, et ceux qui étaient en rouge là, c'était des enfants mal formés. C'était des soldats. C'est des enfants, ils n'ont pas d'expérience. D'accord. Vous avez dit ici qu'on ne doit pas humilier un imam, un prêtre ou un chef d'État. Est-ce que vous êtes informé qu'on avait tenté d'égorger un imam dans la journée du 28 septembre au camp Al-Fayya là-bas? Je ne suis pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant? Je n'ai jamais entendu ça. D'accord. Peut-être votre informateur... Ça a été dit ici. Vous confirmez quand même que c'est lui qui était le commandant du régiment? Mais bien sûr. Et vous avez dit que les gens travaillaient en fonction du programme du président de la République. La présidence, c'était sous son commandement. Donc, tout ce qui... Il y avait plusieurs bureaux, mais il y avait son bureau. Donc, tout ce qui a été fait dans la journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi était sous ses ordres. Mais bien sûr. D'accord.
Vous avez affirmé ici que c'est le président qui a tout piloté avec les idées du colonel Moussa Tchebro Camara. Est-ce que cela veut dire que le colonel Moussa Tchebro Camara était la tête pensante du capitaine Moussa Dadis? Vous pouvez pas être ensemble. D'accord. Regardez. Donc, c'est lui-même qui a énuméré ce plan. Les mêmes idées. Mais tant qu'il est avec lui, il ne va jamais voir la lumière. D'accord. Vous avez dit ici que c'est le colonel Pivi, le colonel Aïdor et le colonel Tchebro qui ont attaqué le domicile de la cellule d'Alain Diallo. Vous confirmez ça? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est même qui vivent dans le milieu, c'est nous qui ont dit. Comment on peut dire que c'est faux? Si c'est Marcel qui était là-bas, là, c'est Marcel. Et que c'est le colonel Tchebro Camara? Je ne suis pas un voleur, maître. Je suis loin de ça. Même je vois un sac là-bas, je ne prends pas. Non, je ne parle pas de vous. Voilà. Vous avez dit que c'est le colonel Tchebro et ses éléments qui ont pillé les domiciles des gens, les boutiques et les magasins. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça? Qui? Le colonel Tchebro et ses éléments. Non, je n'ai pas dit qui pillaient les domiciles privés des gens. Je n'ai pas dit ça. Les boutiques et magasins. Non, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport au pillage? J'ai pas parlé de pillage, j'ai parlé de façon dont ils arrêtaient les gens avant même le 28 septembre. C'est ce que j'ai expliqué. Les problèmes de pillage, je ne suis pas au courant de ça, je n'ai pas participé et j'ai vu personne. D'accord. Quelqu'un ne peut même pas faire ça devant moi. D'accord. Alors, venons-en au niveau du cortège. Vous avez dit que quand vous avez décidé de partir pour sécuriser le président, vous avez aperçu le cortège sur le pont de Madina. Vous le confirmez? Oui. Et que avant votre arrivée, le cortège avait bougé. Oui, il a bougé. Est-ce qu'il avait pris la direction de Donka ou bien la direction de Farmaguinée? Bon, ils ont bougé. Je ne sais pas, mais là, s'ils n'ont pas d'adresse. Mais en tout cas, ils ont bougé, je n'ai pas trouvé sur place. Ils ont pris la direction de Donka ou la direction de Farmaguinée? Bon, avant que je n'arrive, je ne les ai pas trouvés. Ils ont continué devant. D'accord. Alors, arrivé au stade, est-ce que le même dispositif vous a trouvé sur place? Bon, vous savez, les militaires, le dispositif ne se positionne pas. Le dispositif se positionne en fonction de celui donc qui vous commande. Voilà. Le dispositif se positionne en fonction. Mais moi, quand j'ai garé, je descendais, c'est là ainsi que j'ai vu le mouvement des militaires qui rentraient dans le camp. Quand vous avez garé, vous êtes allé vers le portail. Oui. Vous avez remarqué la présence de Makambo, oui ou non? Non, je n'ai pas remarqué là. J'ai vu Makambo rentrer. Vous avez vu Makambo rentrer? Voilà. Et Makambo était dans le dispositif, oui ou non? Bon, oui, en tout cas. Oui. Si le dispositif, encore, c'est la même. Comment dirais-je? Vous savez, la dispositif, quand elle est alignée, c'est une dispositif. Mais quand elle est dispersée, ce n'est plus une dispositif, ça devient maintenant des petits groupes. Non. Je veux dire, si Makambo était dans le dispositif, oui. Et si vous l'avez retrouvé, si vous l'avez vu en train de rentrer, oui. Ça veut dire que... La présidence, comme nous on a été informé que Makambo est sorti. Voilà, ça veut dire que le dispositif était là. Oui. Il est rentré avec le dispositif. Vous savez, quand on vient, on garde les véhicules font la disposition de comment dire, comment on appelle ça, position de départ. D'accord. La position de départ, dès que vous descendez, lui, le chauffeur, lui, fait la position de départ. Il peut aller dans distance, il garde. Voilà. Comme ça. Et en même temps, vous avez remarqué la présence de Begré et sa troupe. Begré, lui, il est rentré comme on a coupé son oreille. Avec sa troupe. Oui. Mais je ne l'ai pas vu au stade. Ah, il est rentré où? Vous savez, le stade est là. Hein? Il est rentré à l'intérieur du stade, non, oui ou non? Je ne l'ai pas vu proprement dit. Je ne l'ai pas vu Begré. Je l'ai vu rentrer avec ses éléments. Au stade. Voilà. Voilà. Mais quand je suis parti vers Toumba, je ne l'ai pas vu dans ce milieu.
D'accord. Si je le reconnaissais, j'allais dire que c'est Begrin. D'accord. Est-ce que vous savez que Begrin était venu avec 15 personnes? Non, je ne suis pas au courant de ça. Est-ce qu'il était une dizaine? Je n'ai pas compté. Ceux-là qui étaient avec lui. Ils étaient nombreux quand même. Ils étaient nombreux quand même. Non, mais oui, ils sont même rentrés en même moment, en même temps avec Makambo. D'accord. C'était un groupe bien garni. D'accord. Vous confirmez que ce sont les éléments du colonel Moussa Tchebro Camara en sa présence qui frappaient El Hadj Sellou? C'est ce que j'ai vu. D'accord. Alors, au niveau de la clinique Ambroise Paré, là vous avez créé une confusion totale. Je voudrais que vous soyez plus clair. Non seulement les leaders politiques, mais le commandant Toumba Diakité ont tous déclaré que la grenade que vous avez sortie, c'était pour menacer de faire exploser la clinique au cas où les leaders politiques blessés étaient admis. Et vous, vous dites que vous avez menacé le colonel Tchebro. Est-ce que vous êtes prêt pour une confrontation avec le colonel Tchebro sur la question? Mais on est là pour ça. Il faut que tout soit clair. Vous êtes prêt? Mais prêt? Tchebro même, le colonel Tchebro même, pourquoi il n'a pas dit que j'ai fait sortir la guerre contre lui? D'accord. Pourquoi? Il t'attend. Il viendra. Il t'attend. Parce que tu sais que s'il disait Marcel qui avait sorti la guerre contre moi, tout est mis à l'eau. Vous avez dit que vous vouliez arrêter le colonel Tchebro. Le colonel Tchebro était avec ses éléments. Vous-même, vous avez dit qu'ils étaient nombreux. Vous, vous étiez sans armes et sans hommes. Je reviens sur la question de Maître Dess. Est-ce que c'était possible? C'est instinctif. Et j'ai pris ma décision ainsi. C'est vous qui avez peur. C'est nous qui avons peur. Oui, oui, parce que vous n'êtes pas formé. Vous, vous êtes sans armes et sans hommes. Mais... Et l'autre est avec ses hommes et ses armes. Nous sommes formés pour vous ça. Vous pouviez l'arrêter? Nous sommes formés pour ça. Maître. D'accord. Il y a eu des armes qui sont sorties du magasin dans la matinée du 25 septembre 2009, selon le commandant Toumba Diakité. Est-ce que vous avez connu la destination de ces armes? Je ne suis pas au courant de ça. Le commandant Toumba peut élargir ça. Je n'ai pas vu. Non, pas au courant. Pourtant, vous êtes des amis. Mais vous savez que moi, j'étais couché. Hein? Tout ce que vous êtes en train d'expliquer là. J'avais déjà fait un accident. Et tous sont au courant. Malgré que c'est le commandant Toumba seul qui m'a assisté. D'accord. Alors, le capitaine Makambo, chef d'opération du président de la République, membre du dispositif, je pouvais même dire chef du dispositif, est-ce qu'il pouvait bouger en l'absence du président de la République ce jour, militairement? Je n'ai pas compris votre question. Le capitaine Makambo, qui était le chef d'opération du président. Monsieur Marcel, vous pouvez continuer. Bon, il n'a pas fini la question. Monsieur Makambo, qui était chef d'opération du président, qui était le chef d'opération du dispositif avec le président de la République, est-ce qu'il pouvait bouger sans le président ce jour? Mais le président bouge des fois avec Makambo, avec les Tchebro, sans nous. Maintenant que ce jour... Il est sorti, le président a dit c'est sorti. Il n'a qu'à nous dire là où il était. Attendez. Il est sorti, c'est ce que vous voulez. Attendez. Est-ce qu'il pouvait sortir? Ça, ce n'est pas une question. C'est pas ça. Attendez la question, s'il vous plaît. C'est pas ça. Ce jour, le président n'était ni avec le commandant Toumba, ni avec le capitaine Marcel.
ni avec le colonel Tchebro, puisque vous avez dit que le colonel Tchebro avait été amené dans la matinée. Ça veut dire qu'il était avec le capitaine Makambo. Est-ce que le capitaine Makambo, pour rentrer au stade, pouvait rentrer sans le président, étant donné qu'il est son chef d'opération? Je ne sais pas comment ils ont organisé, mais quand même il est sorti, le président est sorti. J'ai dit, est-ce qu'il pouvait rentrer sans le président? Où? Au stade. Mais il est. Non, moi je suis rentré, je n'ai pas vu le président, je ne sais pas où ils ont stationné le président. Est-ce que vous aviez fait le tour du stade? Moi, non, je n'ai pas. Je ne suis plus rentré dans ça. Ce que j'ai vu, je ne pouvais pas faire le tour. Voilà, donc vous ne pouvez pas retrouver le président? Je ne peux pas. Je ne sais même plus là de le trouver. Est-ce que vous confirmez que parmi eux, il y avait des cagoulés? Les cagoulés? Oui, il y avait les gens. C'est-à-dire, vous êtes en train d'expliquer quelque chose. Je vous dis que. Vous confirmez? Bien sûr. Parce qu'il y a un jeune qui était cagoulé, il y a un autre aussi qui était cagoulé. Mais ça c'est quelle armée ça? Alors, si certains d'entre eux étaient cagoulés, est-ce que c'était possible que le président aussi soit cagoulé? Ah, mais ça peut être possible, hein? Voilà. Mais sa complaisance quand même, je peux le connaître. Non, vous avez dit que vous n'avez pas fait le tour du stade. Oui, mais c'est qu'on explique là. Si les cagoulés là, je trouvais, même si les cagoulés, je vais connaître le copain. Est-ce que vous aviez regardé tout le dispositif qui était avec Makambo? Non. Voilà. Non. Donc, c'était possible que le président soit parmi ces dispositifs à l'intérieur du stade et en cagoule, oui ou non? Je ne peux pas confirmer. Ne pouvez pas confirmer. Ah, je n'ai pas vu. Vous avez dit ici que le président pouvait sortir par l'arrière-porte. Et ce jour, il est sorti sans les hommes du salon. Ça veut dire par derrière. Il est sorti sans les hommes du salon. Ça veut dire qu'il est sorti par derrière. Mais ça peut se faire. Alors, je vais vous expliquer. Attendez. La petite porte, comment elle est faite? Allez-y. Moi, je suis surpris. J'ai vu seulement une cour derrière. J'ai dit, qui a mis la cour là-ci? D'abord, c'est dangereux. Un corps étranger, un vrai commando peut sauter la cour là, rentrer, aller exécuter le président, sortir, repartir. Mais comme c'était leur plan. Parlez dans le micro. Comme c'était leur plan, ils ont mis. Moi, c'est un jour, je suis venu, j'ai trouvé la porte, petite porte là, la porte de la cour, de la petite porte, qui est liée directement à sa porte, que j'ai vu le coin. J'ai dit, il y avait un oiseau dedans là-bas, c'est pas de grande taille. Donc, ça c'est une fuite. Peut-être il avait fait ça pour ses besoins personnels. Voilà. C'est un chef. C'est un chef, c'est ses besoins personnels. Alors, si ce jour, il a pu contourner les hommes du salon, c'est-à-dire la vraie garde. Là, il est sorti par la petite porte. Il est sorti par la petite porte. Oui. Donc, il a pu se cacher de sa garde. Il s'est dissimulé. Pas se cacher. Ok. Il s'est dissimulé de sa garde. Est-ce que c'était possible aussi qu'il se cache de sa population? Je veux parler de ses manifestants en se cagoulant pour rentrer au stade. Moi, je ne peux pas affirmer ça. Quelqu'un qui s'est caché de sa garde à son état de chef pour sortir. À son état, il faut quand même qu'on respecte. À son état de chef d'État, je ne peux pas qu'il puisse mettre des cagoules sur lui. Ah bon? Oui. C'est ma réponse. D'accord. Ok. Parlons des corps. Dites-nous réellement, puisque vous avez l'intention de dire la vérité, que savez-vous de la destination des corps qui étaient à bord des camions, non seulement au camp Alfaya, mais également au camp Almami Samori Touré? Bon, j'ai beaucoup posé, répondu à ces questions, mais je veux que vous me croyez. Moi, je suis chrétien, je ne jure pas, c'est ce que notre religion a commandé, mais je vais demander pardon à Dieu que je vais jurer. Je jure. Si je connais, j'ai vu un seul corps, même mort ou dissimulé, qu'après ma mort, que je rentre dans l'enfer. Je n'ai pas plus de réponse pour ça. Selon vous, qui
dans l'armée peut dire à ce tribunal réellement où se trouvent les corps, selon vous? Demandez le président Dadis. Le président Dadis. Ah oui, il est au courant de ça, s'il y en a. D'accord. Lors de l'audition des parties civiles ici, des déclarations ont été faites contre vous. Je vais prendre par exemple le procès verbal d'audition de partie civile du 29 avril 2010 de la dame Oumoubari, qui déclarait que c'est Marcel et ses éléments qui étaient allés à la recherche des blessés à l'hôpital Donka. Qu'en dites-vous? Ça, c'est les contre-vérités. Peut-être, je ne sais même pas. Elle me connaît. Elle me connaît où? Elle ne s'est même pas sortie du calvaire, le 28 pour. Monsieur Marcel. Je ne me parle pas. Je ne suis pas un militaire que peut-être le Guinéen aime parler. Qu'est-ce que je vais aller c'est ça donc? Je suis docteur. Monsieur Marcel, vous n'êtes pas inconnu, hein, des Guinéens. Non, mais moi, je suis voilà. Pas, je suis pas. Je, non, c'est n'êtes, maintenant. J'ai dit, vous n'êtes pas inconnu des Guinéens. Oui. Voilà, ce sont les victimes même qui ont parlé. Oui, mais moi, je ne suis pas parti à Donka. Voilà. Est-ce que vous êtes allé à Donka à la recherche des blessés? Non, non, non et non. D'accord. Je ne reviens pas sur les déclarations du président Sidi Atouré et du président Lounseni. Dans l'audition de Talhat Garanke Diallo à l'audience du 3 mai 2023, il a déclaré que c'est Marcel était avec Toumba au stade et avait bastonné sérieusement les leaders politiques. Qu'en dites-vous? Ah, c'est selon lui, mais pas moi. La femme là même, elle était là. Je crois qu'elle disait qu'on l'a violée, elle a demandé qu'elle ne veut pas huis clos. Non, ça concerne un homme. C'est un homme qui a fait cette déclaration. Je ne le connais pas, ça, c'est pas moi. D'accord. Et le colonel Claude Pivi disait dans son procès verbal numéro 34 du 6 mai 2021 que ce jour, aux environs de 20 heures dans sa chambre à coucher, c'est-à-dire la chambre de monsieur le président, il a trouvé le colonel Korka, paix à son âme, le commandant Manjou Djoubaté et d'autres personnes. Devant ceux-là, il a exprimé son désir d'arrêter Toumba et ses complices pour leur implication dans la tragédie du 28 septembre. Entre autres, le lieutenant Marcel Guilavogui. Là, c'est le colonel Claude Pivi même qui vous incrimine. Il voulait vous arrêter, vous et le commandant Toumba, parce que vous faisiez partie des éléments qui ont perpétré le massacre du 28 septembre. Qu'en dites-vous? Ça, c'est un langage que le colonel Pivi. Mais pourquoi il ne nous a pas arrêté? Pourquoi il ne nous a pas arrêté? Oui, parce que vous étiez fort. Non. Parce qu'il savait qu'il est en train de faire le tort. Il ne pouvait pas. D'accord. Alors, une question simple. Est-ce que dans la journée du 28 septembre, votre mission ne consistait pas à aller arrêter tous les leaders politiques et les amener au camp Alpha et Diallo? Est-ce que ce n'était pas la mission que le capitaine Dadis vous a confiée ce jour? S'il m'avait confié cette mission, j'allais accomplir la lettre et puis j'allais être bien fait. Mais comme il ne m'a pas confié, je ne peux pas faire. Est-ce que ce n'est pas le commandant Toumba qui vous a empêché? Comment le commandant Toumba peut m'empêcher? Comment m'empêcher? Comment m'empêcher? Il ne peut pas m'empêcher. Premièrement, il peut pas. Vous avez frappé les leaders. Non. Il est venu les enlever dans vos mains pour les sortir du stade. Deuxièmement, vous avez voulu faire exploser la clinique. Là encore, il vous a dissuadé pour les envoyer à l'état-major de la gendarmerie. Et il a dit qu'il a roulé à tombeau ouvert. Ça veut dire qu'il s'est senti pourchassé par le capitaine Marcel Guilavogui et ses hommes. Qu'en dites-vous? Si c'est moi,
qui devait arrêter Toumba ou bien Kouyé. Vous allez le faire? Bien sûr. Si c'était pour arrêter Toumba, Marcel, j'allais le dire. Pas pour arrêter Toumba. S'il te plaît. Les leaders. Même, non, oui. Vous avez parlé de Toumba, que j'étais derrière lui. Si j'étais là pour derrière, j'allais l'arrêter. Je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Je vous dis ça aujourd'hui. Non, selon lui, vous n'avez pas non, pu le rattraper. Pas selon lui, selon vous. Vous n'avez pas pu le rattraper. C'est selon vous. Pas Toumba. Toumba ne m'a pas dit. D'accord. Il n'a même pas l'intention. Alors, à l'intérieur du stade, est-ce que vous aviez visité le stade annexe? Oui, annexe, ça c'est où ça? À l'intérieur du stade. À l'intérieur. Annexe veut dire quoi? Il y a un stade, il y a un petit stade à l'intérieur. Non, non, moi je ne suis pas rentré là. Aviez-vous visité la salle? Jamais même rentré dans le petit stade. Là. Aviez-vous visité la salle de boxe aussi? Non, non, non. 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 Vers où se trouve la salle de boxe? Bon, je ne peux pas vous décrire ça. Vous ne posez pas de questions. Excusez-moi, monsieur le président. Alors, monsieur Marcel, dans la soirée du 28 septembre, le président Moussa Dadis Camara avait organisé un dîner dans un hôtel de la place. Aviez-vous assisté à ce dîner? Où ça? Dans un hôtel de la place. Oui, j'étais là. Vous étiez j'étais là? J'étais avec Toumba. Mm-hmm. C'est ce jour que Tebro s'est fait, il a failli même Toumba le faire jeter de l'étage. Parce qu'il s'est fait encore garde-corps là-bas. Vous avez fini? Le président était. On était à la première étage, en bas, disons. Il voulait rentrer dans. On dit l'ascenseur, hein? L'ascenseur. L'ascenseur. Voilà. On est militaire, hein? Voilà, les Français, ça vient et on parle comme non. Ça. Non. Donc, il est. On a dit, ah, s'il monte dans ça, où nous partons? Si le courant se coupe. Ça va, c'est calme. C'est imprudent. Prenons l'escalier. C'est ce qu'on a fait maintenant pour l'escalier. Maintenant, Tegolo est là. Au lieu de laisser la place de son aide du camp, il veut. Il y a eu une bouche là-bas quand même. C'est le président qui a intervenu entre les. Là, j'étais là. Alors, il y a eu le massacre le matin que vous avez frustré. Vous étiez frustré, j'allais dire. Vous avez fustigé le massacre. Vous n'étiez pas content. On vous invite à un dîner organisé par le président. Est-ce que c'était le moment et le lieu d'organiser ce dîner pour un soldat bon, moi, je de votre taille, de votre rang, qui était frustré oui. Par rapport à ce massacre? Oui, bon, nous on a vu qu'il y avait les gens regroupés. On croyait que c'est une conférence de presse qu'il allait faire. Moi, ce n'était pas un dîner. Mais ça a terminé maintenant par le petit manger. Il a tenu un discours là-bas, je crois. Nous, on ne s'était pas allé pour manger. Si on veut manger, on va chez nous, on mange. On est mariés avant tout. Ce n'était pas pour aller faire un festin. Celui qui a organisé, c'est lui le chef. Donc, vous aviez fait ce festin parce que vous étiez tous contents? Non, non. Pourquoi vous n'avez pas objecté? Non, mais non. On n'était pas au courant de ça. C'est le président. Il vous dit, accompagnez-moi ici, vous allez partir. Après tout ce qui a été fait? Mais c'est notre devoir. C'est pas d'asile. Si on voudrait, vous voudriez qu'on le prenne, on pouvait le prendre, le faire quitter au pouvoir. Oui. C'était un autre problème. Pourquoi vous n'avez pas adopté cette option? On n'avait pas l'intention. Nous ne sommes pas des hommes qui trahissent. D'accord. Alors, au retour au camp. Vous aviez remarqué le retour des bus qui transportaient ces recrues-là? Non. Quelle était l'atmosphère au camp après le massacre? Bon, je ne peux pas vous détailler. Je me suis pas mis dans la danse de fouiller comment est le camp. Vous n'avez pas fouillé? Alors, la présence du commandant Toumba et votre présence au stade est nette de camp? Et le capitaine Marcel qui a contribué à l'accession au pouvoir par le capitaine Dadis, des hommes puissants de la garde présidentielle. Vous deux, vous ne pouviez pas arrêter les tirs ce jour-là et évacuer tous ces soldats?
vos ordres ne pouvaient pas tenir pour arrêter les tirs et évacuer tout le monde? C'est la question. On donne l'ordre à celui que tu connais et de celui dont tu commandes. Celui dont tu commandes et de celui dont tu connais, tu peux lui donner l'ordre, il va exécuter. Mais celui que tu ne commandes pas, comment tu vas devenir ainsi? Il va te regarder. Sa mission est ta mission. C'est pas toi qui le commandes. Tu ne peux pas. Vaut mieux faire ce que tu peux faire, tu quittes. Et si le président était touché au stade de ce jour, qu'alliez-vous faire en tant que garde? C'était de le protéger et de l'évacuer. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez remarqué ce jour le mouvement des véhicules qui transportaient les déportés du stade vers les locaux du colonel Tchéburu et ceux du colonel Pivi? Est-ce que vous aviez remarqué ça au camp? Non, nous, on n'était pas en même position avec le colonel Tchéburu. Tchéburu était hors de la présidence maintenant. Il était vers à la rentrée, si vous connaissez le Calfire. Dès que vous quittez vers Yimbaya, vous montez la colline. Avant même de finir la colline, vous rentrez au camp. Dès la porte, à droite, vous allez trouver un immeuble. C'est tout l'immeuble là qui était à leur disposition. D'accord. Quelque chose qui s'est passé là-bas, tu ne peux pas être au courant. Oui. D'accord. S'il vous plaît, vous êtes sur, au niveau de la mezzanine, l'agent là, c'est un enfant qui est assis ou quoi? Ah d'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Oui. Hier, il était là. Hein? Oui. Oui. Je voulais me reposer. S'il vous plaît. Je continue, Monsieur le Président. Monsieur Grandpé, vous étiez masqué par l'agent. Je ne vous avais pas reconnu. Vous étiez masqué par l'agent. Vous disiez que vous étiez fatigué. L'audience est suspendue.